Ah, j'ai commencé mon stream, les gars. D'autres médias. T'as trouvé le câble? Non, j'ai pas trouvé, voilà, j'ai oublié que j'étais en train de chercher un chargeur. Vas-y, cherche-le avant que ton casque il te lâche. Il y a un braquage aussi à ce qu'il Ah, drôle. Ah, ça, c'est pas incroyable tout ce qui s'est passé? En fait, tout à l'heure. Mais vas-y, mais t'es taré, j'ai juré, t'es pas tout seul. J'ai pas doué alors pour que je te pose la coque. Non. Attends, tac, tac. Ah, là, j'ai mon stream chat à moi ou à elle là? C'est toi, tu vois. Ouais, mais là, ton stream, c'est ton stream. Ah non, parce qu'il y avait plein de messages, j'avais pris son serveur. Ah, putain, c'était complètement incroyable, hein. J'avoue. C'est incroyable ce qui s'est passé là, non? Pourquoi? Ah, c'était pas mal du tout. L'enchaînement de... Les folies du RP. L'enchaînement de tout ce qui s'est passé, dans le live, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est compris. Vas-y, on te laisse, ça reste. Bon live. Vas-y. Vas-y, bon live. Non, mais parce qu'ils se sont attaqués à moi, du coup j'ai engagé un gang qui s'est attaqué à eux, tu vois. Sauf que moi, dans l'histoire, bah, ça m'a pas carrément. Putain, incroyable, hein, c'est pète sa mère, Twitch. J'ai toi, mon pote. Quadric Shop, des... moi aussi, sérieux. Putain, on va braquer comme ça en claquette, quoi. Salut le beau gosse. Ah, c'est moi, tu vas faire rêver. Ça va? Ouais, si y'a pas, nous on est, elle est là. Ouais, je me suis endormi dans le véhicule là, je sais pas pourquoi y'a eu. R, les accents. Ah, c'est vraiment désolé, mon ami. Ouais, là c'est mieux là, ouais, là c'est mieux. Ouais, c'est Hajjalat en plein. Il est aussi endormi dans le véhicule. Oui, change de véhicule, viens avec nous. Ouais. Oh, mais il croit que j'ai quand même oublié de faire ce que je devais faire au début. Non. Il devait faire quoi? Il devait faire quelque chose, mais il y a quelqu'un avec une musique vraiment incroyable qui m'a motivé et oublié. Ouais, c'est moi, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais plaisir. Oh, je suis où mon putain de chargeur? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, on l'a fait la BG3 ou pas? Go l'a fait, ouais. Si, nous allons faire, mon ami. Allez, non, attends, par contre, le F, viens vite fait. Attends. Tu sors du véhicule, le F. Il est pas là? Ah? Bah, je sais pas, je crois qu'il est parti finalement faire ce qu'il avait à faire, t'as vu? Oh putain! Oui, les amis! Espera un moment, je regarde quelque chose, 2 secondes. Vas-y, passez-y, mon pote! Putain. Tu penses que ça signifie un truc que je m'appelle Jamel parce que mes parents m'ont appelé Jamel alors que je suis mexicain de base? Attendez. Ah, oh, dans le live, parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'ai le chat du live de. En fait, c'est pas mon chat depuis tout à l'heure là. Je sais pas, faut que je t'écoute ça. Tu as les origines de l'Algérie? Je m'appelle Jamel. Jamel, est-ce que c'est un nom mexicain? Ils sont là. C'est un bon. Allez, beau gosse! C'est une bonne question, ouais, c'est vrai. Ah, depuis tout à l'heure, j'ai le chat de Sasa là. Après, d'un coup, j'ai déménagé autre part. Non, du coup, je connais pas vraiment la langue mexicaine. Bah, sur ta chaîne Twitch. Non, mais en fait, j'ai lancé le film. Hermano de la vie de ma mère. Ouais, bon, cool. Ça, t'envoies. 554 moustachus. Merci. Ah, mais t'as vu là? Voilà, c'est bien ça. Ça se renvoie les hosts. Ah, t'as vu là? Y'a qui? Oui, j'ai son chat. Genre, c'est. T'as vu sur OBS? Actualise ta chaîne. Comment je fais? Je peux pas me cacher. Là, tu vois pas le chat là? Ouais, et tout là? Ça a bugué, c'est un bug. Non, en fait là je vois son chat à elle, c'est pas mon chat. Et tu peux pas actualiser. Au pire, va dans affichage, tu sais, sur OBS. Affichage, t'enlèves le chat, tu remets le chat. Ah, rien. Hop là. Non, pas F5, les gars, il est pas sur internet, il est sur. Il voit le chat directement sur OBS. C'est vrai, t'as raison, mais je sais pas qui c'est. De toute façon, c'est quoi? Non, on les laisse partir. Non, parce qu'ils te disent de faire F5. Ah, j'ai pas envie de faire F5. Tu vas pas disparaître. Dans l'affichage sur OBS, contre, tu regardes le chat avec OBS, toi. C'est ça, il est où le chat? C'est pas écrit là. Ouais, bah du coup, c'est la merde. Il écrit bouton de la liste scène source, barre d'outils source, icône source. Non, c'est pas à cause de ça, tu m'as pas écouté. Je t'explique, j'ai brûlé une voiture de police et je l'ai mis sur Twitter. J'ai mis, ouais, j'ai brûlé une voiture de police. Mais ton tracé? Bah non, ils ont juste vu que c'était Twitter de. C'est dans Doc. C'est dans Doc. Non? Normalement. Ouais, dans Doc. Tu vas dans Doc. Dans Doc, juste au-dessus du bouton de la liste. Attends, machin. Quelqu'un qui là, t'as écrit en dessous. Attends, et comment je fais ça? C'est mon chat, ça, ou pas? Tranquille. Oh, y'a le café. Oh, j'enlève mon masque. Ah, c'est bon, je crois que c'est mon chat. Ouais, c'est bon, ça s'est remis. Wesh, mon chat! Wesh, mon chat, les bons gosses! Non, mais là, c'était plus mon chat depuis tout à l'heure, je regardais, je disais. Mais rien à voir en gros, rien à voir en gros. Et j'ai vu que c'était pas mon chat, wesh les frères! Comment allez-vous? Il y a eu un bug d'affichage! Il y a eu un bug d'affichage!
Bon, c'est bon, vous êtes prêts? On repart jouer, les frères? Non, merde, j'ai oublié mon chargeur. Vas-y, il s'est passé trop de choses en trop peu de temps là. Abusé. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi? J'ai tiré sur des gens, après on a sympathisé avec ces mêmes gens. Je comprends rien. Après j'ai dansé alors que je devais chercher un chargeur. Le dernier sur ma gueule. Ok, ok. Tu as chanté? Tu refus robot danseur, fais partie des JRN et bienvenue à toi, sale JRN de merde! Ouais, je suis attiré sur les cups alors qu'on en parle. Ouais. Mais en plus, très marrant, parce que on était avec un des modos du serveur. Il disait quoi? Non, on discutait, il disait ouais, il commence bien tout ça, donc il me disait ouais, c'est vrai qu'il commence bien, faire tout le RP, tout ça. En vérité, j'ai une carte à jouer, j'ai des potes dans la police. Et juste avant, il dit ouais, je vais un peu le regarder, ils peuvent te regarder, ils peuvent te spec en mode invisible. Cassie, non, c'est pas mis en mode spec sur toi. C'est là où t'as buté tout le monde là dans tous les sens. Non. Qui ont déménagé, qui ont quitté la ville. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On lui a dit, genre comme ça qu'il s'était passé un truc, mais rien de méchant que. Il a dit quoi? T'es pas, t'es pas. Bon, il a rien dit. Il a dit, tranquille. Ils se sont reposés. Ah, ils doivent en avoir marre des modos. Je suis venu un jour. Il nous a juste dit, mais faudra plus que je t'en parle en off, tu sais, pour les gens qui te disent, est-ce que tu dois pas, enfin, soit nous, on doit mettre en sub only. Soit ce qu'on doit vraiment mettre un gros Théo, genre les gens qui te disent fais ci, fais ça, ou les choses aussi comme tout à l'heure, quand Raze il t'a demandé s'il avait un pistolet, tu sais. Si t'avais un pistolet, s'il avait. Merci pour le don. De quoi, qui m'a demandé un pistolet? Non, Raze tout à l'heure, il a dit est-ce qu'on a vu mon pistolet? Il a pas, et toi t'as dit non, il a pas vu, et le chat il a dit ouais, enfin si ils ont vu le pistolet, je sais pas si tu t'en rappelles. Ah ok, ouais. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle du HRP. C'est ce que tu n'es pas censé savoir, mais que les gens te disent sur le chat, en fait. Ah, ok. Et donc, c'est pour ça que des fois, on mettait les scènes en sub only, parce que les subs, ils disent pas forcément les trucs. Ah, merde, mais je suis con. Mais sinon, je trouve pas trop mon chargeur. On va s'embêter, on verra. Incroyable. Là, c'est bon. Il est temps qu'il se réveille directement, tu vois. Ouais. Attends. En fait, je sais pas quel est Mazek. Je vois pas ce câble marche. Parce que la dernière musique là avec le feat et tout, c'était trop long. Ouais, j'y sais, mais à la base je voulais la couper plus tard, tu vois. Après, j'ai commandé en train de se bosser, tu vois. Ouais. Je me suis détrompé. Est-ce qu'il cherche là mon casque? Tu vois ce que tu veux dire, mon gars? Tu m'as été aux 30 minutes, 30 minutes après, il revient, je prends la main. La Turc 84 fait partie des GN. Bienvenue à toi. Bienvenue, la Gardèche. Pourquoi qu'il cherche pas avec ce putain de trucs? Je suis plus LTD, je me suis remis à braquer. Je récupère le tarpé, j'ai shooté les condés. Armé comme El Burro, dangereux comme un bourreau. Combien mon cas l'appelle, quand je repense à ma peine. Envoie-moi les claquettes, que des billes violies. Elle s'est fait choper, fais des pour le calmer. Non t'as jamais braqué. Ah, attends, faut que je me concentre, faut que je cherche mon chargeur. Ah, il est là! La madrina, c'est bon, j'ai trouvé. La madrina, j'ai trouvé la bancasse. La madrina vaudrait l'argent de fléca. La madrina vaudrait l'argent de fléca. Les cops se poursuivent au fond de la tête. Je suis à bord de ma grosse caisse. Toi dessus, toi tu t'abaisses. Oh merci madame la Hesse. Je suis dans ma nouvelle caisse. C'est bon, j'ai trouvé. Je suis dans ma nouvelle villa. Je suis dans le business. Business. Ah ouais, merde. Moi, je ne tourne pas. J'ai oublié tout à l'heure, j'avais plus d'accent. Je fais le tour de Los Santos. Merci, oui, ça va, Stano. Tu fais partie des GN. Merci pour tous vos dons. Merci pour tous vos âmes. Merci de me soutenir. J'espère vous kiffer le live. À tous ces connards qui ne font que juger. À tous ces bâtards que je guise le théâtre. Je fais souvent, c'est bon, pour une chanson. Comme pour les cops, s'ils n'ont rien dans le fion. On va. Salut tout le monde, tu m'as fané les glaches avec ta zine, qui fait les coups. Ah merde, tu m'as fané les glaches. Ouais, du coup, on va braquer les vas-y, viens, va dans cette voiture. Ah ouais, viens, on va prendre la. Franchement, mon ami, tu as des musiques qui sont vraiment pète sa mère, comme on dit chez vous. Ouais, je t'ai dit, en fait, j'ai fait un album, c'est pour ça. Bon, franchement, tu es vraiment bien investi. Mets ton masque. Oui, c'est bah ouais, la veste de parce que je suis chanteur. Mets ton masque, on va y aller. Mais pourquoi ça avait mon numéro? Je suis dans la merde en fait, j'ai un avis de recherche sur moi. Ça non, non, tu donnes rien, tu fais genre que là, t'es pas là. Ouais, je fais, je suis pas là.
dictative, mais quand tu en plein flicaille. J'aimerais vraiment savoir quels sont les programmes, du coup. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses entre temps. Ouais, bah en fait, là, du coup, non, il s'est pas vraiment. Little Bugs, fait partie du GN. Bienvenue à toi, mon frère, merci pour le sub. Là, il faut qu'on trouve un otage. Comme ça, de la suite, on va le mettre dans la bijouterie. On l'a vu comme nous. C'est parti. T'as dit quoi? On l'a vu comme nous, c'est Casa de Papel, oublie pas. Il n'a pas compris pourquoi il fallait non, prendre l'otage. Non, on n'aura pas le temps de. Bah, pour la bijouterie, on va pas braquer une bijouterie sans ces personnes. Bah oui. C'est la lumière derrière. Bah ouais. Mets ton masque, le. Ouais, mets le masque, mets le masque. Hey, what's up? Un petit otage qui fait plaisir. Oh, bah. Bah voilà. Bonjour, ça va, monsieur. Ouais. Ça va? Ok, montez. Monte dans la voiture. Okay. Monte dans la voiture. Monte. La place. Mon petit, tu vas monter de l'autre côté, tu me parles de place. Tourne. Prends le téléphone. Attendez, j'arrive mon casque. Hein? J'arrive mon casque. Putain, mais dis de prendre ce téléphone, je sais pas faire. Allez, prends ce téléphone. Prenez mon téléphone. La radio. Ouais, bon, j'ai pas la radio. Putain, comment on fait? On les prend. Ok, c'est bon, oui. Non, j'ai rien. Non, mais. Bon, il est surpris là. Ouais, c'est surpris. C'est comme un Kinder Surprise, tu vois. Mais là, t'es un Kinder. T'es un Kinder otage en fait, c'est ça. Putain, mais comment on fait? Pourquoi? Pour faire quoi? Hein? Tu verras. Bah, en fait, là, tu vas inaugurer la bijouterie qu'on va faire. Ouais, ça fait plaisir. Bah, t'inquiète, c'est le Hajar le top en plus, t'es pas. Bah, vêtements? Non, moi je suis pas casse-couille. Hein. Bah, tant mieux! C'est une école! Si tu t'assois au fond de la pièce tranquillement. Exactement. Mais voilà, non, mais je vous parle de lui prendre ses affaires! Ah, bah, c'est ça. Y'a pas moyen d'avoir un petit billet à la fin? Si tu restes. Si tu restes sage. Hein? Ok, c'est bon, ça marche, je vais rester sage comme un nuage. Ouais, c'est fermé pour les moments dès la jour. Ah, ouais. Bah, c'est la merde, hein! Parce qu'on a duré trop de temps, vraiment trop de temps. Bah, il y avait Code Noir aussi. Ben, monsieur, vous allez bien? Ça va. Ramène dans une nouvelle. Vous avez fait quoi, monsieur? Ça va, tout le monde va bien. Ah, c'est juste de la parole. Bah, je prends rien. Bien, Merci pour le nouveau sub. Bienvenue à toi, mon beau gosse. Comme nous, un petit peu, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, on est investi dans la plus dans l'argent que de. Ouais. Vous travaillez dans quoi? Là, pour l'instant, je suis pêcheur. Pêcheur. Bah nous aussi on est pêcheurs d'otages en fait. Voilà, c'est autre chose, mais c'est dans presque le même domaine d'activité. Pêcheur d'argent. Tu peux pas lui prendre. Moi je peux te dire avant ça. En vérité, c'est le cousin. Voilà, c'est ouais, c'est en liquide. Franchement, j'ai 200$. C'est bien 200$. C'est bien. C'est la taxe que nous ont pris les. Vraiment pour un compte. Là, je suis sûr qu'il a pas 200$, mais il a beaucoup plus. Non. Bienvenue à toi, frérot. Alors, combien t'es d'argent sur toi, mon petit ami? Allez-y, hein. T'es sûr que t'as pas d'armes parce qu'ils sont de fouilles? Non, j'ai vraiment rien. Alors, combien d'argent là? 100, 200. Ouais, il a bien que 200. Il a deux billets de $100, ouais. Ok. Ouais, c'est la merde. Ouais, c'est la crise pour tout le monde. Ouais, c'est la crise. Venez contre le mur, viens contre le mur, toi. Tu vas compter jusqu'à 60. Jusqu'à 60, ok? Et tiens, on fait moitié. Jusqu'à 60. Et au début de l'entrée du parking, fais moitié. Il y aura des affaires, ok? Ok, merci. D'accord, mon ami, mais je n'ai rien. Allez, venez, les gars, on bouge maintenant. Tiens, Allez, on décale. Code, fais 1, 2, 3 soleil, voilà, c'est ça. 5, bah je compte, hein. Ouais, compte. 7. Il va où, lui? 8. Mais moi, c'est juste 13, 14, 15, 16. Ah, il triche! Tu rock. 18. C'est bon, je rigole. Tu nous prends vraiment pour un con? Non, c'est bon, excusez-moi. C'est bon. Recommence! 1, je reprends. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Eh, tu sais ce qu'on va faire? On vous dépose les armes et on va faire des braconnages. J'ai dit, on fait des braconnages. Ah, on va vers lui. Est-ce que tu peux aller vers lui? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Et voir il y a combien? Si il bouge, ça veut dire qu'il a pas compté jusqu'à 60. Ah non, regarde, c'est un bon otage ça. 25. En vérité, j'aurais dû prendre son numéro de téléphone, je le fais signer un contrat d'otagerie pour le prochain braquage. Tu veux? Hein? Tu veux ou pas? Non. Les amis, j'ai quelque chose à vous proposer. Ouais, dis-leur. Venez, on va braquer tous les civils de la ville. Ah, tu veux se lever tout le monde comme ça, un par un? Tout le monde! Allez, même tout le monde. Oh, les... Ça vous dit? On prend les meufs. Non! Ah! Et, mais ils sont riches, non? On prend les filles. Attends, avec nous pour braquer tout le monde.
Oh vas-y, go, appelle les filles. Et ah oui, attends, je vais essayer de l'appeler. Vas-y, appelle-les parce que moi j'ai rien. J'appelle Loka pour voir. Ah, mais du coup, tu travailles au Beret. On appelle tous Loka. Double M. Hein? Moi je travaille dans les Beret. Je suis DJ à l'Unicorn. Et je fais du bonnage. Y'a moins que tu nous arranges des fois pour le prix ou des gratuits. Ouais, pour les Beret, tu fais, je te paye gratuit. Vas-y, on est calme. Ouais, vas-y, vas-y. Un peu plus tard, on va passer à Uber Eats pour faire un peu le sac. Alors, faut voir. Ouais, elle répond pas non plus, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on fasse des cambriolages ou pas? Parce que moi, on peut faire des cambriolages si tu veux. J'aimerais vraiment que tu m'apprennes comment faire un cambriolage. Je n'ai jamais fait de ma vie, mon frère. Bah, vas-y, on va faire des cambriolages. Pas chez moi, vite fait, on dépose les armes. Parce que la verrette, ça sert à rien. On dépose l'arme, comme ça, c'est bon. Est-ce que tu peux nous arrêter? J'ai envie de parler avec mon collègue à côté. Ok. Vas-y, attends, vite fait. Arrête-toi. Merde. Ouais. Vas-y, viens. Ouais, t'es là? Ouais. J'ai plus envie de le baiser, j'ai tellement pas, j'ai la meilleure. Moi aussi, justement, j'allais dire ça. J'ai plus envie de le baiser. Attends. Ça, on aura des contacts grâce à lui et tout, gros. Même il est, je le trouve gentil, je t'aime ouais, pas. Ouais. Moi aussi, tout à l'heure j'allais dire ça, mais je sais pas, tu poutais quoi là. Ok, du coup, vas-y. Ok, on bah on va pas le baiser du coup. On le nique pas, ouais. Mais du coup, pour le truc tout à l'heure là, on fait quoi? Amende que 5 000 $ que vous ferez? Non mais attends, du coup comment on fait pour le gang? T'as dit ouais, on les retrouve, je sais pas quoi. On leur dit pas. Oh putain, ils vont nous niquer, ils vont nous rechercher. Non, ne t'inquiète pas, mais fais-moi confiance. Lorsqu'il faudra mentir, c'est moi qui parle. Ok, vas-y. Quoi faire? Ouais, en fait, quoi faire si tu veux avec moi, il a brûlé le coffre des Balas, tu vois. Et avec les Aztecas. Et les Balas, ils m'ont soulevé lui et moi, tu vois. Et du coup, bah. C'est pour quand les émotes sables? C'est en cours. C'est ressorti tranquille, tu vois. Mais le jour G, bah, plus de nouvelles de coffre. Combien derrière? Il n'est pas vu. Non, on braque pas eux, les mecs. C'est des gangsters. C'est des Aztecas. Mon ami, j'aimerais vraiment que tu me montres comment nous pouvons braquer, cambrioler quelque chose là, on va les cambrioler, je dépose juste mon arme à la maison. Ah oui, surtout ça. Vas-y, James, je te rappelle. Mais comment tu veux cambrioler sans arme? Derrière les Aztecas, ce que t'as dit, ils nous claquent ça, non? Ah ouais? Ah, fais gaffe qu'ils nous prennent pas en otage. Venez en arrière. Si t'es jamais, t'inquiète, je les connais. Salut! Parfait. Double M, monte avec moi vite fait, rapidement, j'ai besoin de toi, vite. Attends, je dépose des trucs à la maison, vite fait, j'arrive. Pourquoi t'es masqué? Hein? Pourquoi t'es masqué? Parce que je faisais des braconnages. Ah, t'as des infos sur la mort de coiffeur? Ouais, j'ai des infos, ouais. J'ai les données à Joe Lopez. Je te les donne en vrai. T'as vu quand on a brûlé les trucs des Balas et tout? Ouais. Et bah tout à l'heure, on s'est fait soulever par les Balas, ils sont au courant que c'est vous, parce que coiffeur il a balancé vous, moi et lui. D'accord? Donc c'est les Balas qui l'ont tué? Et quand je suis sorti de la prise d'otage avec lui, et bah je suis sorti tout seul. Coiffeur il est pas sorti. Parce que je veux dire, c'est des Balas qui l'ont tué. Pour moi c'est eux, tu vois. Alors je vais leur baiser leur mère. Vas-y, va les niquer, t'inquiète. Vas-y, force. Du coup eux, genre c'est des mecs proches à toi, tu vois. Ouais, si ils me protègent. Si j'ai un problème, ils sont là, tu vois. C'est des gangsters. On a bien fait de pas baiser. Tu poses ton flingue, tout ça ici ou tu veux pas? Par préférence. Moi personnellement, je préfère garder mes affaires sur moi. Imaginons, on se fait arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Si on se fait arrêter par la police et que t'as pas de PPA, ils te le saisissent. Et t'as 30 000 dans la course poursuite. Course poursuite. Ok. Je préfère qu'on fasse une courte poursuite et qu'on se fasse pas attraper, les amis. Vas-y, Nekal. Je suis l'action. Du coup, tu veux qu'on rebraque encore des personnes, on fait des cambriolages et tout? Je vais tout faire. Je vais être un hors la loi. T'as du quoi? Je vais être un hors la loi. Voilà. Ah, du coup, t'as pêché au combien de numéros tout à l'heure? Je crois que j'ai. La première journée que j'arrive dans cette ville, j'ai Alejandra. Deux grosses boules sur Grandinaya. Don César. Face des Zeb. Jamel. C'est qui le transformeur? Ouais, c'est moi ça. Local. C'est qui le transformeur? Loka. Voilà, c'est bon. Tu vas me donner le truc de Don, je sais pas quoi. Après. Quoi? Non, je parle à mon pote. De quoi? Tu vas me donner le truc de Don, je sais pas quoi le numéro là. Ouais. Alors. Après. Je t'ai mis l'adresse, vas-y, va là-bas. C'est là-bas le cambriolage. Ok, let's go. Hey, y'en a un qui fait le gay et y'en a deux qui rentrent à l'intérieur pour cambrioler.
Ah vas-y, ben moi je fais le guet et après moi je voudrais cambrioler, je vais être dans les faits de l'action. Vas-y, moi aussi je comprends, allez, vas-y, Nekal. Comme ça tu me montres comment faire. Comme ça on échange, voilà, je te montre comment on fait tout. Ah, prends l'échange. Par contre, est-ce qu'il y en a un de vous trois, qui sait bien conduire? Ben mon pote et moi, là ça peut passer là. Merci pour le sub, bien joué les beaux gosses. En fait, je suis cherché par la police, je suis recherché par les balas. Et en plus de ça, on va faire un cambriolage. Ça veut dire là, je suis dans la merde. Merci pour ça, bienvenue à toi, beau gosse. Ah, c'est le métier, c'est le risque. Ah, c'est le vice des métiers, c'est des mecs, c'est comme ça, voilà, c'est ça. Faut bien faire de l'argent comme on peut. Hein. Mais tes musiques, t'as pas un label ou quoi? Tu gagnes de la thune avec? Bah, en fait, t'as vu, j'étais censé signer chez les balas, du coup. Ouais. Mais du coup, maintenant, ça va pas trop être possible, tu vois. Ouais, c'est compliqué. C'est annulé, quoi. Elle nous coupe la route, elle. Oh, j'ai plein de. Mais t'es con, mais t'es con. Ah mais c'est bien, t'as testé un peu de sol de la route, c'est bien. Et laquelle go? Ah franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. You are un malade. Attendez, faut que je bois de l'eau, de quelque chose à boire. C'est une villa ou c'est une maison qu'on va... T'as dit quoi? Ouais, c'est une maison qu'on va contrôler, ouais, c'est ça, c'est une maison. Ah, ça va être chaud. Là, mon pote, je t'explique qu'il va falloir être discret. Je vais boire en même temps. Rapide. Hein, ouais, de F, ouais. Ouais, tu vas bien boire des lits en même temps, là. Je t'ai cassé. Ah, ouais, je vois qu'il y a un petit code noir avec un truc en plus, là. C'est chaud, quand même. T'as vu? Ah oui. Ouais, là. C'est... ouais, faut pas... Là, si je roule, là. Allez, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la ville, mais... Dès que tu les vois, tu nous appelles, tu vois, direct. Ah ouais. Alors, il faut pas rigoler, hein. Ah, mais c'est la merde, hein. C'est quelle maison, tu veux? Attends, j'essaie de voir, trouver une maison qui est... Ouais, mais ça, c'est là, c'est bien. Oh putain, ils vont nous niquer... Y'a pas la sécurité ici? Ouais, je compte laisser les... F, le F, ouais. Je compte laisser quoi, ouais. Laisser quoi? Attendez, je vais. Ok, c'est bon ici. C'est bon ici, vas-y, go, viens. Tu es vraiment très drôle, toi, mon ami. Écoute. Appelle ton pote au téléphone et vous restez au téléphone. Et s'il y a les polices, tu lui dis ton téléphone, c'est bon ou pas? Parce qu'on n'a pas pris de radio, vas-y, go. Je veux braquer. Vas-y, viens, viens, c'est ici. Ah. Appelle-moi au téléphone. Couche la maison, vas-y. Attends. Il a répondu au téléphone. Okay, vas-y, commence à coucher la maison. Ok. T'as capté comment on fait, vas-y. Il est pas capté. Ah! T'as capté. Ok, il sait comment faire. Vas-y. Ah! Il croit que. Non, t'as. Vas-y. Je sais que t'es capable de le faire. Il croit que il s'est défoncé, mon ami. Il a voulu crocheter. Il s'est défoncé, mon ami. Il croit que il s'est trompé. Ce qu'il voulait faire. C'est pour la première fois que je vais faire quelque chose. Que déjà je vais faire ça, c'est la première fois. Je vais faire quelque chose de être défoncé. Ça fait deuxième première fois. J'ai cru que tu faisais quelque chose, mon ami. Bah oui, là j'ai fait quelque chose, t'as vu? Mais il n'y a pas cru, c'était ça. Au final, il s'est défoncé, mon ami. Hey, écoute. Ouais. Écoute, c'est quoi tu connais ton alphabet ou pas? Je crois que c'est... Est-ce que tu connais bien ton alphabet? Ah bon? Est-ce que toi tu connais bien ton alphabet? Oui. C'est quoi la lettre après le D? C'est le Z. Ah! Il y a les cops. Ah! T'as compris? Désolé, j'avais pas vu. Désolé, il n'avait vraiment pas vu que vous étiez là. Allez, hop. On descend. Armes-les! Tirez-vous. Lève les mains. Pourquoi tu me prends? Tu crois réellement que tu vas venir comme ça?
et me dire ce que je veux faire. Je n'irai pas en prison. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je l'ai arrêté. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il s'est passé quoi? Wesh! Pop hop là. Allez, je mets les menottes, je mets dans votre véhicule. Oh, vous y êtes vraiment efficace, c'est incroyable. Allez, je vous mets dans le véhicule, dépêchez-vous. Je l'emmène où du coup? Eh, hey, tu l'emmènes au PDP et tu lui mets en plus de ça les 5000 en plus de couvre-feu. Alors. Eh, hey, je te mets bien dedans, hein, pas la tourelle, je te mets derrière. Passe à côté, viens à côté de moi, viens à côté du conducteur, viens. Le passager. Un passager, viens. Y'a quelqu'un qui peut aider 7-5? Moi j'en ai arrêté, hein. Non, allez, moi. Tiens, je te fais rentrer dedans. Défoncé. Il trouve vraiment pas la porte, je... Rien. Il est sur le côté, là. Allez. 9-4-3-3, allez, il va monter, t'inquiète. Attends, vas-y, descends. Descends l'archer. Vas-y. Ah! Vas-y, monte à côté de moi, monte à côté de moi, t'inquiète. Voilà, vas-y. Oh non, tu me dis que ça s'est coupé, les frères. Attendez, je relance TeamSpeak. Putain, faut qu'on leur dise. Ils vont croire que je suis un trou du cul qui sait pas jouer alors que c'est parce que TeamSpeak s'est coupé. Connexion, se connecter, se connecter. Putain, ça casse les couilles TeamSpeak, hein. Ah, je suis Ah, dites-lui là, je... Je suis en train de me reconnecter. Putain, ça casse les couilles ça. Capture. Appuyer pour parler, créer un raccourci. Commencer le test, ok, appliquer, c'était quoi après, lecture c'est mon casque, attendez parce qu'en fait c'est TeamSpeak qui l'a craché, casque Razer, et maintenant appliquer, hop là, et je dois vous enlever les notifications, les bruits. Eh monsieur, je vous laisse descendre. Hop là. Je suis désolé, il y avait un chewing-gum collé sous mes fesses. Ouais, tranquille. Bon, monsieur, écoute le mur, là. Et bon, c'est comment, là? Enlevez votre masque, s'il vous plaît. Il va enlever mon masque. Oh là là. Tu vous contre le mur, s'il vous plaît. Je suis contre le mur, je peux pas rentrer dedans. Ouais, retournez-vous. Ouais, non, mais bien sûr. Merci Yamchas pour le don, bienvenue. Vous avez une carte d'identité sur vous? Oui, bien sûr, j'ai une carte d'identité, je vous la montre. Je pourrais la... Ouais, s'il vous plaît. Monsieur, couvre-feu, vous sortez. Mais... Oh, on est où, là? Je crois qu'il n'ai pas vu l'alerte des couvre-feu, je n'étais même pas au courant. Ah, ok. Bah, t'es au courant, 2h du matin, couvre-feu, hein. Il ne savait pas, maintenant il est au courant, il ne savait pas que XXXTentacion allait venir m'attraper. Ok. Il rigole. Monsieur Fares Salvatore, c'est ça? Si, c'est Salvatore. Bien moi, le premier du nom, okay. Moi-même. Pas de soucis. Bon, monsieur Fares. Oui. Vous faites quoi, là, à la maison? Masqué. Soyez honnête avec moi et je serai clément avec vous. Je vais être vous me faites perdre du temps, je serai... Vous savez comment? Ce qui s'est passé? Ouais, dites-moi. Bah, racontez-moi. Alors, la journée... J'ai rencontré Alejandra, j'ai rencontré aussi Loca et j'ai rencontré une autre fille, je crois qu'elle s'appelait Inaya. À ce moment-là, je leur parle, nous faisons connaissance, nous nous entendons super bien.
Mais nous étions dans leur quartier, elles ne pouvaient pas faire les putes. Elles me disent, prenez donc mon numéro. Je les appelle le soir, devinez ce qu'elles me disent. Et du moins. Nous allons faire une soirée au bal masqué, mon petit cochon. Je t'attends avec ton petit masque, viens maintenant tout de suite. Alors devinez ce que je fais, moi. Je vais chercher un masque. Je me dis, je vais me faire choupa choupa ce soir. Et au moment où j'arrive dans la maison, je reçois un appel, on me dit quoi? Devinez, on me dit quoi? Ouais, dites-moi. Je suis désolé de t'avoir eu, tu voulais tremper ta verge dans mon petit toutou. Tu comprends quand je dis ça? Mais je t'ai eu. C'était en fait pour un cambriolage. Et moi, ouais. Je ne suis pas hors la loi. Je lui dis, mais putain, je voulais tremper, je voulais pas que tu me trompes, je voulais tremper. Avec mon accent, elle a pas compris. J'aimerais bien te croire, mais tu sais, c'est quoi le truc qui me dérange? Qu'est-ce que le c'est? Le truc qui me laisse le bénéfice du doute? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'es parti en courant? Tranquille, y'a rien. Pourquoi t'as essayé de t'enfuir et tout? Parce que... Vous avez Ah, t'as eu peur, tu nous as vu, on t'a fait peur. Non, on t'a fait peur ou quoi? Écoutez-moi. Je viens pour tremper les biscuits. Je ressors. Il y a 19 personnes qui veulent tremper le biscuit. Je me dis, s'il n'y a pas les femmes, c'est dans mon cul qu'ils vont tremper. Il rigole. Ok, pas de soucis. Bon, monsieur Fares. Nous, on a reçu un appel. Une dame. Qui s'appelle Pignata, nous a envoyé un message. Elle se fait cambrioler par trois individus sur le tas de noir. Avec l'immatriculation du véhicule. Et au moment où on arrive sur la position, bah, on tombe sur vous. Je sais pas si vous êtes les trois par contre. Ah, pas du tout. Moi, personnellement, je voulais être là pour me faire choupa choupa. Après, je ne sais pas si elles avaient prévenu d'autres gars. Ouais, après, peut-être ils ont fait ça pour t'avoir ou quoi, je sais pas. Je sais pas du tout. Je viens de me faire avoir. J'étais vraiment en train de conclure. Je ne vais plus jamais les rappeler de ma vie, ces filles-là. Ok, pas de soucis. Moi, je vais vous laisser le bénéfice du doute. Je vais pas vous mettre d'amende par rapport au cambriolage. Par contre, je vais vous mettre une amende par rapport au couvre-feu. Ok. Mais je crois elle est assez salée, l'amende. Je crois que mon solde. Je crois que mon salle n'est même pas au seuil de l'amende, car je suis nouveau dans cette ville. Ah, vous êtes nouveau, ok. Je viens d'arriver, ce qui veut dire que... Oui, mais je suis arrivé aujourd'hui, et puis j'ai dit bonjour à la des chicas. Elles m'ont dit, si tu veux choupa choupa, viens à cette adresse. J'arrive, on me dit moins 5000 dollars. Je me suis dit, oh putain. Aïe. Ok, moi je vais vous laisser un délai de 48 heures pour la payer. Sinon, je suis dans l'obligation de vous mettre l'amende. Très bien. Je vous laisse un bon délai de 48 heures, voire 72 heures, pas plus. Merci beaucoup. Histoire que vous mettez en place plein d'entreprises qui recrutent, c'est l'Uber Eats. Dans la restauration, si vous avez un minimum d'expérience. Très dans bien. Le Nord, usine à poulet, etc. etc. Est-ce bref, que vous êtes un grand garçon. Dans votre maison de disques. Vous êtes extraterrestre. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Tu veux qu'on se termine tout de suite? Bref, je te mets la facture. Je vais te laisser rentrer chez toi. Et que je te recroise pas hein, ce soir. Hein. Parce que la vie de ma mère, je vais te mettre des coups de matraque, sache-le. Je pars en couille ce soir. C'est pour ça que j'ai couru tout à l'heure. Je me suis dit, c'est moi qui devais matraquer quelqu'un. Imagine si la matraque, elle rentre en moi. Ah, tranquille. Bon, je te fais la petite amende. Je te laisse un délai max 48 heures, 72 heures. Merci beaucoup. Je vais rappeler ces filles. Je vais les insulter de tous les noms. Ok, pas de soucis. Ouais, faites comme vous voulez. Hein. Mais pas de violence. Hein. Pas de violence conjugale ou quoi. Hein. Oh, bien évidemment, mon ami. Je vais lui dire, c'est choupa choupa, pas prison. Ok, pas de soucis, monsieur Fares. Bon, je vais vous laisser repartir. Ouais, elle est salée, hein, là, moi, du coup, le capitaine, il... Ouais. Il savait pas qu'elle allait vraiment me suivre pour de vrai, j'ai cru. Non, je vous laisse un bon délai, vous en faites pas. 72 heures, vous en faites pas, vous aurez largement le temps de le faire. Merci beaucoup. 5000, c'est... Très bien. Vous en faites pas. Très bien. Vous pourrez dire à Yanis derrière, là-bas, là, merci d'avoir été présent ce soir aussi. Lui Yanis, Oumar, ça va être terminé, Oumar, mon frère, comment... Oumar, mon frère. Ben, je crois qu'il fait des TikTok. Bref, je vous raccompagne. Je vous laisse rentrer chez vous. Je vous recroise pas, monsieur Fares, parce que la vie de ma mère. Hein. Tu la vois celle-là ou pas? Tu vois la télescope? Oui. Je te fonds le crâne en 8. Très bien, mais je crois que c'est pas bien de jouer sur la vie de ma mère. Ma mère, c'est une pute. Bref, file. Allez, Martin. Très bien, merci beaucoup, les policiers. Merci, au revoir. J'ai réussi à aller chier dans sa... J'étais dans un cambriolage, j'ai dit je devais me faire sucer. Merde, j'avais encore le micro. Pas le micro, vu qu'on est dans la famille. Ah, j'ai dit je devais me faire sucer. Et quand je suis arrivé, je vois que je suis dans une maison. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation, les frères?
couvre-feu 2h du matin, tout individu dehors, lors d'un contrôle $5,000. Tu t'en es bien sorti, un génie. La manipulation, ça, c'est un travail de longue date. Vraiment trop puissant, régalade. C'est super drôle. Attendez, faut que je l'appelle. T'es où? Hôpital. Je suis en majuscule. Attendez, faut que je l'appelle. Putain, franchement, on a bien rigolé, hein. Les espions, ça sert, hein. Ouais, c'est vrai que les espions, ça sert, hein. Pourquoi il répond pas, wesh? Masterclass, un génie incompris. T'es un putain de manipulateur, c'est trop. Elle répond pas, wesh. Chut, aïe aïe aïe. Comment tu vas, mon ami? Ouais, c'est comment? Tu t'es fait choper? Oui, et vous, vous êtes fait choper? Moi? Non, j'ai payé l'amende et ils m'ont laissé partir. Très bien. Ouais, si. Elio, donne jamais le deuxième. Il vient de sortir du commissariat. T'es où là? Fou, reste pas devant le comico avec le couvre-feu. T'es qui, toi? Mais t'es fou, reste pas devant le comico, frère. Attends, il est trouvé un nouveau l'ami. Ouais, vas-y, tu te déposes où? Oui, où est-ce que tu as vraiment ta position GPS? Moi, c'est du problème, je suis au niveau de la place des cubes. Toi, t'es fou, toi. Ok, envoie-moi ta position. Vas-y. Salut, mon ami, comment tu vas? Dis quoi? Comment tu vas, mon ami? Ça va tranquille, et toi? Ça va très bien, comment tu t'appelles? Moi, c'est Melvin, et toi? Enchanté, Melvin, je suis Fares Salvatore, mio amigo. Enchanté. Tu sais quoi, là, dans le comico? Toi, t'es fou, toi. Il venait de me faire péter par la military. Pourquoi le couvre-feu? Ah oui, $5,000. Tu les as pris? Je me suis pris $5,000. Aïe. Ah, faut les esquiver. Hein. T'aurais pas un travail pour trouver $5,000? J'ai rien du tout, mon refait. Fais de la pêche comme tout le monde. Tu fais de la pêche? À pêcher. Je peux pêcher. Et fais quoi après avec la pêche? Bah, tu pêches des poissons après. Tu peux aller à gauche? Vas-y, je vais au coin. Tu as la GPS? Ouais, c'est bon, t'inquiète. C'est bien. Et après, un poisson, tu le vends combien? Franchement, je sais pas, justement pas, j'ai voulu tester hier. Mais tous mes poissons sont tombés, donc j'ai même pas pu savoir combien ça faisait. Mais je crois que c'est 1000 et quelques, 1500. Ils sont tombés poissons. Où? Bah, sur la route, c'était dans la voiture et c'est trop lourd. Ok, ça marche. Ça fait longtemps que tu es dans cette ville? Moi, je suis arrivé avant-hier. Salut! Avant-hier? Ouais. J'ai voiture 4 places, elle est là si tu veux. Ça marche. Merci, mon ami, de m'avoir déposé ici. Forex, je vous aime. Merci. Si, c'est le tâche de tout à l'heure. Allo? Ouais, je suis à l'hôpital là. Pourquoi tu es à l'hôpital? J'ai fait une chute de... trop loin là. Ok, est-ce que tu veux qu'on vienne à l'hôpital? Ouais. Ok, on arrive de chercher à l'hôpital. J'ai entendu mais je vais rien dire. Ils m'ont rien pris en tout cas moi. Quoi? J'ai entendu mais je vais rien dire. Putain, t'as des oreilles d'éléphant ça. Non, je te promets, tu cries. Vas-y. Et moi, il y a une soirée. Arrive. Ah, envoie-moi la position. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une soirée. Ok, on va aller chercher mon ami à l'hôpital et on va à la soirée tout de suite. On va draguer. Soirée clandestine. Ah, c'était l'otage de tout à l'heure. Il est venu. On a dit. J'ai dit, ah ouais, c'est l'otage de tout à l'heure. Il a déjà entendu. Il a fait une chute. Ou pas? Ouais, je crois. Attends, il va regarder mon petit ami. Ah, il est. T'as mangé quoi? Ketchup? Oh, il a pris du Viagra, vous ferez gaffe. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Beaucoup de ketchup même. Et vous voyez dans je crois que le vagin, c'est que tu as la grosse bistouquette en feu. Non, une grande montagne de je sais pas combien de mètres là pour. Je crois que t'as failli te faire arnaquer comme je me suis fait arnaquer.
Non, moi j'ai encore tout là. Ils m'ont rien pris les flics. Eh, hey, Jamel. Moi aussi, il y a tout. Pareil, si s'est fait un nouvel ami, tu sais qui? C'est l'otage qu'on a pris tout à l'heure en otage. Mais non. Il s'appelle Melvin. Les gars. Et tu rêves d'ici au délire, mais si il y a quelque chose que Yemedi, vous savez c'est quoi? Oui. C'est qu'on a pris un otage. Mais. Il vient de lui dire mon prénom et mon nom. Mais non, mais t'es con, sérieux. T'es trop confiant, sérieux. Eh, tu nous as pas balancé? Non, il a dit que c'était vous deux, quoi. Pas moi. Ouais, bah c'est quand même balancé. Mais ça. Il rigole, c'était une. Ah, bah c'est bon, blague. Bon. Là, il y a mon patron. Ouais, tu peux venir faire le DJ au Unicorn, s'il te plaît. Mais je suis là! Ah bon, ça m'a remplacé, hein? Là? Ouais, je leur baisse leur mère, t'inquiète. Et allez. Ouais, je suis pas en ça suit pas. Bah ouais, t'as Harki, tu travailles au. Oui, mais je t'ai la vidéo. Vous allez bien entrer. Ah, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. J'ai la vidéo que je travaillais partout. Bonjour. Ah là, vous êtes pas accompagné. Ça peut être possible, je crois. Bah, on est accompagné, on était les trois. Et vous êtes pas accompagné de demoiselle. Mon ami, on n'est pas accompagné, mais on est avec des cons. Ça veut dire il nous reste que à panier. On va ramener le panier, on y remontera que le A. On pourra rentrer à la montagne. Je crois qu'il n'y a pas de filles dedans vu que les gens partent en courant de la boîte. En plus, ma king, je peux faire le DJ moi si t'es bon. Allez, entrez. Merci, je vous aime, mon ami. Allez, les gars, viens rentrer. Allez, t'es par terre. Ouais, mais. Il n'y a pas de meuf. Je crois que c'est le bon moment pour rappeler Bonetta, on va arrêter là. Au pire qu'il danse, hein, un mec ou une meuf, ça change rien. Et Jamel, viens voir. Il croit qu'il va appeler les copines. Ouais. Il faut qu'on lui ramène les... une des meufs, là, des trucs. Ice, mets-toi au platine, s'il te plaît, Ice. Ah, tu ouais. Que flash, en fait, moi, je suis la plus du quartier, mais Ice, j'étais la plus du licorne. Ok. Un. Oh, le bassin, il va bouger tout seul. Oh, hola mi amor, estoy aquí en discoteca, por favor, Alejandra, me répondré. Ok. Alejandra ne me répond pas. Ok. Ok. Local. Il a tête ça. Ok, soit, tous les cas. Il y a BDSB à la main. Ah, il n'y a personne dedans, hein, c'est parmi. Là, ça bouge tout seul. Je peux pas m'empêcher de. Ouais, ça tire, ça tire, ça tire là-bas. Elle est sur ton live. Ma mère, c'est partout seul. Elle est sur le live, Alexandra. Ah, mais vous êtes toutes là. Ah, vous êtes toutes là en direct. Elles sont dans le live. Ok. Salut les filles. Bon, bah, grâce à vous, on va se frotter entre hommes. C'est parti. Je t'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu me fais de ce que tu fais? Ouais, vas-y, continue, continue. Tiens, petit salope, hein, quand même. Je suis posé dans le bad dance, ouais, ça fait pas grand deal. Qui sont marrants, t'as lancé, pose pas trop de questions. Ouais, j'aime bien ton chapeau, t'es mignon avec tes filles, t'as mes boules, je fous la mort. Ah, mais ton petit ensemble, qui est ta chaîne de sang. J'aimerais te faire sucer, mais t'es plein de sang. Y'a un petit beau gosse qui est juste à côté. Il a des petites dreads, et ouais, il est un peu beau. Wesh, les roroto. Quoi? Allez, tout le monde mange. Allez, dépêchez-vous, sortez des lits. Allez, mains en l'air, ceux qui partent à l'arrière, vous êtes bloqués derrière, hein. Y'a des gens qui arrivent à tout le monde 5000. Dégagez, dégagez, oh. Ils sortent des lits, ils sortent des lits. Sortez, comment faire les mains en l'air? Ils sortent pas des lits. Contre le mur en face, contre le mur en face. Attends, tu fais baiser, j'étais en train de faire un freestyle, Zebi. Alors, contre le mur, contre le mur. Putain, j'étais en train de faire un freestyle, ils m'ont niqué mon futur. Hein? Et là, t'es en train de tout niquer. Les R, les R. Bah, j'étais lancé, j'allais faire un freestyle. Les R. Bon bah rip, hein, c'est mort pour la soirée encore ah, une fois. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des souvenirs. Oh non, mais non. Mais... Oh, oh non, mais dis pas que non. Putain. Il chantait non. Tellement bien l'espagnol. La vie de ma mère, mais dis pas que c'est toi, frère. J'ai trop kiffé. Ouais, je suis à quoi? Non, y'a rien. Oh, je vais... Mais non, y'a rien. Bon, monsieur, présentez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ouais. Alors est-ce que je l'ai... Il trouve qu'il ressemble vraiment à quelqu'un qui a déjà vu celui-là là-bas là. Ah j'ai pas ça. Il faut les amender, hein. Trouvez-moi votre Monsieur Fares, mon dieu, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas vraiment ce que vous croyez. Ah c'est 87. Ce n'est pas ce que vous croyez. 87.
Aïe aïe. Laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Carte d'identité, monsieur, s'il vous plaît. C'est à moi que tu parles ? Tiens, mon petit. Oui, c'est ça. Bah, je suis pas 87, moi. Ah merde, je pensais que c'était. Il est où 87 ? Bah, alors WM, on se trompe. Putain, je suis mort. Ouais, je suis pas. Ah, va falloir mentir là. Non, mais attendez, moi j'ai une excuse. Zin ? C'est la merde, pour eux. Y'a pas d'excuse, vous êtes pas chez vous, vous êtes. Non, mais. Attendez, mais je vous explique. Monsieur Lamello. Y'a pas d'explication possible, monsieur. Oh, j'ai trouvé. C'est pas mon problème. Non, j'ai trouvé un mensonge. J'ai ramené une petite commande à l'unicorne. Ça le mec, hein. Vous êtes en code oui, mon ami. On sort, on dit qu'on a payé la facture. Il n'a pas payé la facture, j'ai pas d'argent. Attends, je te passe un dernier, toi. Catastrophe. Avec WM, passe-moi l'argent. Combien ? Quoi ? Passe-moi l'argent, je sais pas, c'est pas d'argent. Comment ça, c'est l'argent ? J'ai pas assez de bah vous avez 48 heures pour la payer, sinon elle double. Attendez, alors. Ouais, pas de soucis, je passe un peu plus. Bon, c'est pareil, venez là, s'il vous plaît. Bon, du coup, je peux partir, c'est bon. Monsieur. Moi, ça va être bon. Jamel Warston, c'est bien ça ? Bon. Toi, viens avec moi. Je note votre nom. Ok, très bien, je vous suis, monsieur. Petite amende, je vous laisse un bon petit délit en Twitter. Vous voulez jouer avec le feu, les mecs ? J'ai même pas 5000 temps. Très bien, je vous passe ça. Ouais, 72 heures. C'est la hesse. 72 heures. Tu vas pas me faire croire qu'en 72 heures, tu pourras pas ? Oui, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez la carte d'identité ? Monsieur Farassadin, Salvador, vous allez prendre une amende pour le respect du couvre-feu. Ce n'est pas possible, mon ami. Ah, vous connaissez. Hein. Ah, si, si, c'est possible. Ah, non, mais ce n'est pas possible. Je viens de sortir du commissariat maintenant tout de suite. Parce que je viens de prendre 5000. C'est pas mon problème. Mais il vient de sortir maintenant, mon ami. Comment pouvez-vous me faire double taxe ? Le rappeur vient là, l'artiste. L'amende sera à la même heure. Déjà été amendé, on a une amende. On m'a. Je t'explique, mon ami. Ah, donc vous prenez 10 000 en plus. Ah non, mon ami, je vais t'expliquer. Je viens de recevoir. Mais c'est pas mon problème, vous auriez dû rentrer chez vous, monsieur. Mon ami, si vous prêtez au Unicorn. Laissez-moi vous expliquer. Je venais de me prendre une amende. On m'a dit, tu dois payer 5 000 dollars. Alors j'ai dit à votre collègue juste là-bas à Extentation que j'allais chercher les 5 000 dollars parce que je viens d'arriver dans cette ville, je suis nouveau d'aujourd'hui, je n'avais pas les fonds nécessaires. Donc vous allez au Unicorn ? Non, maintenant il y a mon ami là-bas là, qui parle avec l'accent. Il est venu, il m'a dit, viens à cet endroit-là, je vais te passer les 5 000. Je suis venu, vous êtes arrivé, bougez plus, on va vous niquer. C'est pas mon problème, monsieur, vous avez dû rentrer chez vous. Mais il ne comprend pas votre jugeote, il vient d'arriver. On m'a dit 5 000 dollars, je n'avais pas assez. Toi avec le chapeau, ferme ta gueule. Je suis les ordres, monsieur. C'est tout. Pardon ? Je suis les ordres. Quand tu viens, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas content, vous plaignez à l'US Army. C'est pas de la corruption, c'est pas de la corruption. Il ne comprend pas, mon ami. Je suis sorti de votre commissariat en face pour venir ici. Et vous me demandez 5000 en plus. Il est vraiment pas en face, monsieur. Hein. Vraiment, vraiment pas en face. Hein. Donc vous prenez pour un con qui vous voulez, mais pas moi. On vient de me récupérer pour que je vous donne 5000. C'est incroyable, monsieur. Pourquoi vous me dites tout ça ? Vous auriez dû rentrer chez vous. Il y a un couvre-feu de mis en place. Mais je viens de me prendre une amende, je devais la payer maintenant tout de suite. Problème. Je vous laisse rentrer chez vous, monsieur. Allez, sortez de l'établissement et vous rentrez chez vous. Je vais me passer 5000. Hein. Arrêtez de faire des bêtises. Arrêtez de faire des bêtises. Bah, pas de bêtises. Bon, du coup, c'est comment pour ce monsieur-là ? Il vous baise. Il croit qu'il n'a pas compris votre collègue. Je suis les propriétaires des lieux. D'accord, on va laisser là. Hop. Je peux savoir ce que vous faites ? Faut leur faire payer l'entrée. Putain, on fait notre travail, monsieur. Ah ouais ? Ils viennent se rincer l'œil. Bah là, je t'explique. Tous tes collègues viennent se barrer. Là, si on veut, on te pull up, on t'encule et tu vas la faire. Mais on fait comment maintenant ? Bah, viens là, viens là ! Allez-y, allez-y ! Ah, à la porte ! Allez-y ! Attends, bon. On fait comment maintenant ? Tu mets des avantages. Hiro des putains, 10 000, hein ! Fermez la porte. Bon, ben. Je vais avec mes couilles, vous allez prendre du calibre de l'eau. Je vais pas te dire, je vais te dire. Allez, le chien de garde, barre-toi. Cassez-vous, bande de pute. 10 000 dollars, je vous en foutrai dans le trou de cul. Vous êtes gentil, c'est incroyable comment vous êtes beau. Bon, allez, c'est bon, sortez la police. Vous voulez pouiller à qui ? La soirée est finie. Vous voulez pouiller à qui ? Bon, ça va. Non, non, pas. La soirée est finie. Ah, il voulait pouiller à celui là-bas. Ça m'empêche de partir. Mais notre véhicule est dans le reportage. Ah, pardon. Mais si on parle de. Non. On est dans le bâtiment. Allez. Viens. Mais je compte sur vous, les mecs. Hein. T'es qui, toi ? T'es qui ? Ça fait deux fois que je te croise encore là. T'es qui ? Comment ça, je suis qui ? Ah, Marvin ! Bah oui. Marvin, tu me suis, hein ? Fermé.
Vous avez tout niqué, soyez fiers de vous. Ah non, je suis là. Attends, comment ça, tu voulais voler la voiture? Mais n'importe quoi, je voulais me mettre côté passager. Si j'avais voulu voler, je serais parti là-bas à gauche. Ouais, c'est vrai. Réfléchis un peu. Lui aussi, je le pissais dans le cerveau. Je voulais vraiment voler sa voiture. Ah ah! C'est qui les amis? Oh, vous êtes là! Putain, les gars, va falloir qu'on aille braquer là. Il y a 10 000 euros. Oh putain, merde! Bloque-le, bloque-le. J'ai pas vu la voiture. Aïe! Regardez le rétro. Ouais, ouais, on va circuler là. Aïe, tout de suite. Aïe, doucement. Aïe, c'est ça. Les amis, je crois que vous faites erreur. Ouais, on va dire. On est désolé, les amis, on est désolé. Accélère. C'est bon, ils ont arrêté de nous aider. Bon, en fait, le problème dans l'histoire là, c'est quoi qu'on fasse, on est dans la merde. Bijouterie, c'est mort. Le cambriolage, c'est mort. Et on fait quoi? On se lève des problèmes, on verra. Ah, les amis, ici, je viens de me faire niquer 10 000 dollars. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ouais, c'est vrai que t'as payé 10 000, moi j'ai payé 1 500. Parce qu'en fait, le keuf qui m'a abondé, je le connais, c'est un pote, il m'a mis 1 500, tu vois. Putain de merde. Hey, c'est le business, ça tourne, tu vois. Il vient de me faire amender 10 000 dollars. On doit aller où pendant les couvre-feu? Bon, en fait, on doit aller où tu veux, sauf dehors. C'est le problème, tu vois. Et là, je sais pas où est-ce qu'on va. Si toi, tu me donnes des idées. Est-ce que si on prend des voitures rapides, on peut faire course poursuite avec policiers? Ils vont nous tirer dessus à vue. À vue ou à vous? À vous. À vue. À vous. À vue. À vous ou à vue? À vue, à vous. Parce que si, c'est à vous, il me semble pas concerné, mon ami. Non, à tout le monde. Tout le monde. Allez, c'est sûr. Mais ouais, on peut trouver des voitures rapides. Attends, je vais chercher. Je propose de trouver la voiture la plus rapide. La plus rapide, c'est la RSI. Je vais demander à Rimka de la sortir s'il est là. Rimka? Ouais, Rimka du 113, ouais, il a une RSI, c'est comme la sortir. Ah, enfin, c'est de retour. Ouais. Par contre, il n'y a pas de voiture rapide ici. Hein. Je trouve pas. Hein. Vous m'entendez, les refs? Ouais, t'entends, ouais. Oh, can. J'avais un chat dans la gauche. Hein. Là, c'est plus qu'un chat, ouais, là, c'est. J'avais un chat dans la gueule. Du coup, t'as raté la course poursuite qu'on avait avec les militaires là. Hein? T'as pas vu la course poursuite? Non. Ah, bah ils nous ont suivis, ils nous ont écrasé la voiture et tout. Ah. Bah, c'est plutôt plaisir. Putain. Bah, c'est la merde. Attends, parce que. En fait, je suis en train de chercher des voitures rapides, parce que je veux des voitures rapides. Oh, faut que je raconte une anecdote. Vous m'entendez? C'est 4 personnes. Ouais, ouais. Coûte cher. Mais attends, Si, attends, mon petit. Ouais. Coup de tir, c'est qu'à personne là. Et du coup, vous voulez faire quoi, les mecs? Ok, là, c'est bon. Prendre un carrefour. Ils arrivaient pas à les rentrer, le code barre. En gros, ils existaient pas. Ouais, mais. Ils ont fait quoi? Ils sont partis prendre les autres 4 personnes qui valent genre même pas 30 centimes et ils les ont bipés. Ils ont bipé 15 fois ceux-là. Pour dire en gros, c'est des 4 personnes qui passent. Alors que rien à voir, parce qu'en fait, ils étaient pas enregistrés dans leur stock. Ça veut dire, on les a eu presque en gros. Ah, voilà quoi. Incroyable, les yeux presque gratuits. C'est pour ça que j'en bois plein là. Y'a vraiment pas de voiture. Allez, banaf des meufs. Ah, c'est vrai, j'ai une banaf des meufs. Les amis, je vous propose d'aller, je sais pas moi, passer un petit temps avec des meufs ou je sais pas comment. Bah, viens, on va voir les chicas latinas. Les chicas latinas, je crois qu'elles sont en train de dormir. Tu veux qu'on passe des voleurs quartier? Ah, je crois qu'il y a une soirée sur Caillou. La police ne fait pas la loi là-bas. À l'aéroport. Bah, venez, on va à l'aéroport. C'est parti. Allez, c'est parti, on va à Caillou, faire l'aéroport. Ah là, je me fais pas baiser là. Je propose de mettre une voiture puissante à côté pour si la police veut nous attraper, on part en course pour se directement. Ça, c'est pas mal comme voiture en vérité. Hein. Mais après, il n'y a pas mieux depuis tout à l'heure. Hein. Ah, ok, ouais. Ah, là, on a le mieux qu'on a. Là, c'est pas mieux. Mais ouais, de tout 15 cas quoi tout pile, hein. Quand vous êtes rentré dans la maison, tout pile, je vois quoi de camion. Ah, l'amende. On t'a dit à Caillou Perrecois. Voilà, il a bien dit, mec. C'est ça qu'il faut faire. Regarde, okay, il est bon aussi, c'est bon. Ah, il croit que c'est l'interview? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis Fares Salvatore, je vais aller parler là-bas. Ah, je te présente mon avocate en fait. Pourquoi? Je veux dire, tu vas l'accueillir.
Salut. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais où est-ce que tu vas comme ça, l'ami? Amigo. Oui. Amigo, reporter. Je parlais pas à toi, je parlais au reporter. Pourquoi tu fais une espèce de petit con? Comment ça, peut-être? Ah, ça c'est bien comme voiture. Tu voulais voiture rapide, c'est bon, on est là. Il est là. Voilà, c'est le temps. Tout le monde il est à l'aéroport, c'est bon. Pardon, désolé. Oh! Quoi? Oh, il y a des cartons! Oh! Je pense qu'il faut que je refasse un freestyle, les amis. Ah, ah, ah oui. Oh, oh! Oui, oui. Oh, il y a les militaires! Il y a les militaires! Oh! Oh! Allez! Arriba, arriba, arriba! Vamos, vamos, vamos! Vamos, hijo de puta, vamos! Ay, ay, ay. Vamos, hermano, hermano, vamos! Hijo de... ¡Ah! Monsieur, oh, monsieur, arrêtez-vous, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est une dingue, j'ai jamais vu ça. Il vient de me faire tirer dessus. Aïe, aïe, aïe. Il croit que la balle a transpercé l'humérus, l'utérus. Il parle pas, c'est toi. Aïe. Aïe, remonte 37, remonte. Aïe. Moi je tirais pas les boucles, je t'arrêtais pas, je voulais continuer à tirer. Attends, descendez, descendez des voitures, on va faire les premiers sons. Pourquoi ils s'arrêtent pas eux aussi? Franchement, les frères. Arrêtez, moi j'entends. J'entends un coup de mitraillette, je m'arrête, j'ai trop peur moi. C'est des fous, ils ont pas peur. Hein. Ça va, on les a pas tués. Non, ils ont été touchés par des ricochets de fragments, ça va. On va s'en sortir. Ah, c'est l'accident, il les a mis au chaos. Pour les médecins, je sais pas ça, moi. Ouais, ça va. Oh, ça tient. Ah, mais je peux parler, je suis con ici, ils savent pas. Il a une arme celui-là, 37. Tu le prends. S'il a... Attends, s'il a pas le PP1. Vas-y, voilà, ça c'est pas. Il m'a pris un Y. Ah, bâtard, t'as enlevé la porte. Eh oui. Allez, pour faire un coup. D'un coup, je vois quoi? Un militaire devant, droit, grande frappe. La voiture, elle était sans dos. Arrêtez-vous! Des grandes balles dans la nuque! Arrêtez-vous! Prof, vous êtes pas arrêté, je comprends pas! Bah, parce que t'es en train de me rafaler ma grand-mère, tu veux que je m'arrête quoi? Ouais, un choc par balle, hein. Regarde bien! Y'a rien, monsieur! Oui! Permets? Ils sont partout ces rouilleurs de merde! C'est un peu de sang, c'est l'accident serré, ils sont juste inconscients, monsieur! Pas à moi, Johnny, pas à moi! Oh, je peux pas commencer le jeu plus bas! J'ai perdu tous mes objets! J'ai 10 000 euros d'amende. Je vois juste qu'ils sont blessés par balle. J'ai perdu la cocaïne. J'ai perdu tout. Ça va, j'ai fait le shit. J'observe, c'est tout. Ouais, ils sont venus, frère. Y'a pas eu de première sommation. Do. En ce moment, c'est entre les mains des médecins. Vas-y, prends. Après, je fais du breakdance dans les airs, là, moi, là. On a des blessés. En fait, on faisait juste ça. On arrive. Ça a été dit, radio, ça a été dit. Non mais là, frère. Prenez-les, les mecs. Oh, vous êtes pas arrêtés, bah frère, t'es en train de me tirer des calibres 72. Boum, 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 boum. Arrêtez-vous, bah arrête de tirer toi, je m'arrête moi, ouais, frère. Allez, tout le monde sur le code 2 après. Quand là. Tu vas dans le code noir, hein. Va là-bas, 27. Non, attends, il s'en va. Non mais on t'a cagou le 37 hein. Fais gaffe, tu vas te faire bannir, crois gamin. Ouais, j'arrive. Vous appelez les EMS. Appelez les EMS. Ah, c'est déjà fait logiquement. C'est fait. Bougez pas messieurs, les EMS arrivent. Vas-y là, je dois attendre quoi là? Point positif, t'as gagné des meufs. Non, la vérité, je veux pas que ça n'arrive là après. Ah vrai. Franchement, t'as l'air, on a cher rigolé avec les meufs, c'était cher drôle, on aurait dit la vraie vie style. Écoute, la vérité, moi je vois un blindé, je... Mais pourquoi il parle ce tour du cul lui là? Il nous tire dessus, il dit je vois un blindé, je m'arrête.
Elle était qu'un lance-roquettes, il nous visait, il y avait des avions de ça, ça tirait dessus, il disait mais pourquoi je vous arrête, je ne comprends pas. Moi je veux même pas de code noir. Le cargo Bob il se dirige directement vers Cape Perico, il frôle la mer. Ah j'ai pas le droit de parler là. Oh la voiture est dans un état. Le bro quand il se fait écraser il fait 1 alors qu'il est censé être mort. Venez là sur le code 2 là. Ah, 9-4. Ouais. On avait un petit problème avec la suite. Et quoi? 3 blessés hein. Eh hey, après c'est, on est en code noir hein. C'est ils doivent s'arrêter ou c'est pas à nous de se plaindre hein. Écoutez, ils enchèrent pas. C'est pas nous d'avoir des remords. Hein. Là on est clairement en code noir. S'ils n'acceptent pas de s'arrêter, voilà. Plus tard. Ils savent très bien ce qu'ils engendrent. Aïe aïe aïe. Et encore là, ça va, ils sont pas morts. Imagine, t'arrives un jour du jugement dernier, pourquoi t'es mort? Bah, je sais pas, il y avait un couvre-feu, 5 000 $ l'amende, mais. Je sais pas. Mais il y a une autre option, 5 000 $ l'amende, mais si tu t'arrêtes pas parce qu'on est en train de te tirer des gros mortiers dessus, tu meurs. Il y a un dépôt de mesure. 2-7, monte au volant s'il te plaît. Ouais, montez. Montez dans l'insultan s'il vous plaît, on va sortir le dernier là. Ouais, montez, c'est pour sortir. Faut deux qui montent dans l'insultan, et on va sortir le dernier blessé. Oh, il faut que je leur pisse dans le cerveau là. Je peux leur pisser dans le cerveau, non? Il a pas les sorts, mon vieux. Voilà. Ouais, je vais le mettre ça. Je sais pas si c'est bon. Il y a deux poids de mesure là. Ça eux, j'avoue. Attends, il a quoi sur lui celui-là? Ah, mais en fait, ce qui me font chier, c'est qu'ils ont des balles sur eux. Et alors, force à eux, frère? Eh ouais, mais ça me fait chier qu'il les perde sur ça, frère. Sur le code 2. Pourquoi il a dit ça? Me fait chier que vous perdiez ça sur ça, les frères, hein. Je vous ai arrêté. On va te faire enculer. Pourquoi vous êtes pas juste arrêté? Ça aurait été tellement plus simple. Attends, on peut pas parler, dommage. Regarde quoi? Bah, des balles. C'est bon, il y a EMS. Ah ouais, c'est bon, il y a les EMS, restez là. Alors, monsieur le EMS, il est où? Je vais conduire 15. Ah, mais c'est juste ici. Pourquoi y'a personne qui s'est fait péter, y'a que nous là. Amuse-toi un peu. Madame. Je suis trop la mort. JL Sheir 768 fait partie des GRN. Bienvenue à toi, petit GRN de merde. Ouais, mais je suis pas le directeur, je peux pas moi. Après c'est avec le. Bah, je comprends ce que c'est. Quoi le bruit de fond? C'est leur voiture là, ils sont plein de voitures là, guerre à côté. Mais ben, moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes au-dessus. Ils sont où, c'est eux? Ah, on peut négocier avec eux. Ben, par contre, lui c'est la quatrième fois qu'il vient pour des balles. Ah bah, force à lui. Ok, monsieur. Non mais je comprends ce qu'il voulait dire, y'a pas de soucis, mais... Je sais pas ce qu'il t'a dit. Il m'a dit que peut-être ils étaient morts, et que c'était à moi de voir. C'est possible, ça vous tombe. Mais en fait le problème c'est que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Oui mais autres. Monsieur c'est le médecin. Oui. Je sais mais je peux pas. C'est merde. T'es le médecin, je sais pas. Tu vas voir quel problème. Monsieur on est en code noir, hein. Ça vaut de gérer si... Ah ok, je savais pas. Si on se débrouille. Le conseil c'est de tirer sur le véhicule, okay. Si vous voulez s'arrêter à la base en tirer dans le ciel, soit on a commencé à rafaler le véhicule, et là ils ont forcé un grillage. Je sais pas, c'est à vous de voir les dégâts de balles, tout ça. Ok, attendez. Je peux parler là ou pas? Vas-y, attends, je enlève son t-shirt. Je vais faire un. Je peux parler ou pas? Après l'autre. Comment ça allonge? Comment ça allonge? Là, oh sa mère! Comment ça allonge, wesh? Putain, comment ça allonge? Animation. Je vais te le retour. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure? Ouais. Non, mais en fait, on avait juste à l'aéroport où il va tirer dessus d'un coup, on était pas fort. On va pas m'attourer, lui. Oh, mais il descend tout le monde, wesh! Comment je fais pour me mettre par terre là? Que ça nous tire dessus, vous voyez, on était loin, mais ils disent qu'on était près d'eux, donc je comprends pas.
il aimerait vraiment m'allonger par terre, mais il n'est pas. Allez, mais vas-y, putain. Merci, monsieur, d'être là encore. Oh, sa mère, on a. Bon, attendez, je m'occupe des gens. Je peux pas, monsieur, je peux pas. Oh, les gars. Oh les gars, est-ce que vous pensez à ce qu'on pense? Oh, regardez notre véhicule, wesh! Ils nous ont éteints! Oh, attendez, j'ai cherché tout ce que j'ai dans la voiture. Oh les gars, est-ce qu'on monte dans l'hélico? Poussez-moi! Pourquoi? L'hélico, il vient de se détruire! Mais l'hélico, il est seul, putain! Venez. Oh! Non, mais non! Il y a VMS qui nous signe. Aïe. Double M, ça va ou quoi? Non, il faut me soigner. Double tech, double M. Non, F, ouais, c'est bon. Ouais. Je suis blessé! Viens m'aider! C'est les MS, s'il vous plaît. Attends, j'ai des bouteilles de gaz, je vais t'endormir, toi. Comme ça, je m'occupe de ton ami. Ok, putain, en plus, je sais pas comment faire sa mère, putain, comment je retire ça, et si vous voulez, tuyaux. Tu commences vraiment à me casser les couilles, s'il te plaît. Réanime-nous, alors je vais te faire enculer, tu commences vraiment à me faire chier depuis tout à l'heure, je vais mourir. Moi, oh, je fais ce que je peux, je viens de débuter aujourd'hui, je suis qu'un apprenti. Alors réanime-nous, parce que je commence à faire mal, là. Oh, je suis qu'un apprenti, hein. Tu fermes ta gueule ou je te laisse mourir. Je monte. Oh les gars, on monte ou pas? Les gars, on monte et ils nous animent, toi. Oh les gars, venez, ils nous animent. Ah, je peux pas me lever. Wesh! Je peux pas me lever? Pourquoi il ne peut pas me lever? Moi je peux pas. Oh les potes! On va nous donner. Wesh, ouais, je suis. Médecin, venez, s'il vous plaît. Moi je peux pas. Oui? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a pris des délices? Je sais pas. Ouais, il a pris des délices. J'ai pas vu. C'est passé quoi? Il a pris des délices, ça va, c'est pas trop grave. Faites attention, il est cherché avec les délices. Il est bien résistant, le. Ouais, il est blindé. Les vitres aussi, elles sont blindées? Bah oui, t'as de l'armée à la base. Vous avez vu ça où? Oui, bah, je suis allé de Mekim. A plus! Ah bon? C'est pour lui qu'il y a un code mort. C'est rien de mon coup, mais c'est pas. Ça sert à rien de tirer dessus, les frères, les blindés. Il n'a pas compris pourquoi il veut descendre l'hélico des urgences, mon petit. Pourquoi tu ne rêves pas, toi? Je peux pas, il m'a pas soigné. Moi, il m'a soigné. Et moi, il m'a soigné. Je sais pas. Appelle-le. Il est où? Je sais pas. Il est où? Je crois que tu vas rester longtemps ici, petit. Bon rétablissement, mon frère. Tu es là? Je crois que le stagiaire, il s'est barré. C'était Greg Guillotin, stagiaire, c'est le pire. Ah merde, je peux pas conduire. On descend. Moi, je peux pas conduire, wesh. Tu es là, mon ami? Ouais. Tu dois rester combien de temps comme ça? Bah, il appelle les MS. Ok, je vais les appeler. Ça en va? Allez, je vais appeler. Est-ce que tu as le numéro?
Tu as l'ennemi. Ah merde, il est mort, il peut pas me tuer. Putain, comment fou, moi. On a besoin d'une. Ambulance. Va à l'hôpital, t'inquiète, va à l'hôpital. Mais est-ce qu'il peut conduire la voiture? Ouais. Très bien. Wesh, ils nous ont laissé en plan. Stagiaire s'est barré. En gros, on reste là, tout le jeu. Allô? Ouais, j'ai été pris en charge par les internes, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis à l'hôpital, j'ai été pris en charge par les internes. Très bien, mais je crois que les autres internes ont oublié notre ami, il est au sol là-bas sur l'aéroport. Là, s'il te plaît, qui te parle, c'est moi qui étais au sol, tu n'as pas vu, les internes ils m'ont pris. Ah, c'était toi qui étais au sol? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, mon ami. Bah, vas-y, je t'attends à l'hôpital, je t'envoie la porte. Ça marche, mon ami. Message. Comment on enlève la sirène? J'ai. Que c'était louf. Ah, vous entendez pas quand on parle au téléphone? Moi, oh, j'entends pas quand tu parles au tel. Ça, vous l'entendez pas? Comment ça se fait? Si, si, vous entendez? Ok. Ah, j'ai pas le droit d'être dans une voiture comme ça. C'était la seule qui avait, j'avais pas marché ça. Attendez, je vais sortir en ce moment. Fuck me! Tes lives sont incroyables, je passe trop du bon temps. Bah, j'espère que vous kiffez les lives, les gars. J'espère que vous passez de bons moments. Que ça vous permet de combler l'ennui si vous rouillez chez vous. Et en tout cas, merci d'être autant présent et de me soutenir. Et merci pour vos dons, pour vos subs et pour tout ça, quoi. Merci les beaux gosses! Je vous montre mon vrai talent de conducteur. Ok, c'est parti. Comment il va, mon ami? Comment il va? Wesh, je m'entends pas. Comment il va, mon ami? Bah, ça va tranquille, là, je suis sur 10 inter. Monte, c'est une 4 places, c'est là, parce qu'il y a l'autre aussi. Il y a Abouzid, meilleur live. Merci, mon frérot, merci pour ton don.
Qu'est-ce que tu m'as dit, mon ami? Je t'ai dit monte avec moi, parce qu'il faut une 4 places, il y a Jamel qu'il faut qu'on récupère. On est 3. Les 20K étaient pas loin. Ouais, c'est vrai que c'était pas loin. Une voiture de place. Mon ami. Ouais. Il faut qu'on aille braquer ou faire quelque chose, parce que là, j'ai vu les gendarmes partir de l'autre côté. Là, tu penses que là, on peut aller braquer, là? Oui, parce qu'ils sont partis par là-bas, là, regarde. Ils sont partis là-bas. Bah, viens, on va faire une supérette, si tu veux. Ok, ça marche. Bah, monte avec moi, vas-y. Et où est l'autre? Bah, il est sur Perico. Ça marche, je te suis, je te suis. Bah, vas-y, suis-moi. Mais il faut que tu poses ta voiture, monte avec moi, au pire. Ok, mais je te suis quand même, j'ai envie de faire un peu course-poursuite. Comme ça, s'il y a la police, on a des chances de s'échapper. Mais c'est toi qui conduis celle-là, si tu veux. Non, comme ça, s'il y a la police, on a une chance en l'idée de s'échapper, mon petit. Ah, c'est-à-dire, c'est toi qui as la chance et moi, j'ai une malchance, c'est ça? Pourquoi, ma voiture est rapide? Ouais, elle est rapide, ouais. Ok, d'accord, bah, allez, roule. Ah, prends la voiture, là, prends. La voiture, prends-la. Vas-y, viens, on monte dans celle-là, au père. Beau gosse de luxe, merci pour ton don, mon frérot, merci pour mon don et mon sub. Allez, let's go. C'est parti, mon ami. On va faire une séparette. La tienne est plus rapide? Ouais, la tienne est plus rapide, ouais. Laquelle? La rouge. Ok. La rouge, elle est plus rapide. On va faire une séparette. C'est parti. T'as un couteau ou pas sur toi là? Je crois qu'il n'est plus rien, mon ami. Bah, vas-y, on va chercher un couteau, on va pas. Oh! Ah, non, mais si, mon ami, il y a quelque chose? Ah, bah, c'est bon, vas-y, c'est bon. Ah, je suis refait. C'est ici, mon ami? Bah, vas-y, va braquer! Ok, très bien, mon vas-y, ami. Vas-y, je t'ai dit, allez. Comme si toquais à l'arme. Oh, j'ai là les moustiques, frère, c'est quoi ça? Mon petit ami! Hijo de puta! Voilà, braque lui sa mère. Hijo de puta! Tu vas me donner le fric, cognon! Il y a voilà, une putain d'amende, 10 000 dollars. Il va la payer, il va me refaire les couilles avec toi. Voilà, dis-lui. Il lui dit sa mère, on va. Je vais casser ses séparettes, moi aussi. Voilà. Héros de putain, donnez-moi. Voilà, dis-lui. Et tu donnes ou pas? Dis-lui. Il croit qu'il n'y arrive pas. T'inquiète, il est en train de sortir les sous de la caisse. Ok, c'est bien. C'est bon. Attends. Ah, faut que j'attende les condés! Ah, je savais pas! Sérieux, on est obligé d'attendre? C'est vrai cette légende ou pas? Vous venez de me dire. Je savais même pas, tu devais attendre. Ouais, il y a plein de gens qui savaient pas, non? Non, pas obligé. Ah, tu dois attendre une minute. Si tu attends, il n'y a pas de scène. Oui, pour être fair play. Ah, ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Tu sais quoi, tellement je suis fair play, regardez, je vais faire quoi? Allez, où? Elle est où la supérette déjà? Ouais, j'ai oublié. Moi, j'ai oublié en 5 secondes, wesh. Ah! Thank you.
Ouais, faut attendre pour faire une chasse, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je crois qu'elle est là-bas. Alors regardez, là, ça fait plus qu'une minute si je retourne, hein. C'était là, non? Non, rien à voir, c'était pas là. Je sais pas où c'est. Non, vous dites n'importe quoi, c'est pas obligé d'attendre des flics. Ah mais je crois qu'ils ont raison, c'est genre le... putain, comment ça s'appelle? Quand tu veux absolument gagner, là. Eh ben, y'a pas le droit en mode... mode tu veux absolument gagner. En gros, là, par exemple, si je veux braquer le truc... Ah mais on peut pas braquer un truc d'habit, je crois. Ouais, voilà, le win RP, voilà, voilà. En gros, c'est, t'as pas le droit au win RP. En gros, tu dois être. Tu dois jouer le jeu en mode. C'est pas, tu. Ouais, bref, vous avez compris. En gros, tu cartonnes, c'est pas, tu te barres directement, t'attends. Tu tombes, t'attends. Bah, j'ai cherché la supérette en soi là, c'est comme si j'étais resté. Comme si j'étais resté une minute en vrai, non? Vas-y, attendez, je vais rebraquer un truc, je vais rester une minute. En vrai, ça peut être sa mère qui ait le chat, hein. Parce qu'en soi, ils te disent, ouais, faut faire ci, faut faire ça, ouais. Comment est-ce que je sais ce que je peux braquer? Je parie que c'est sur la map. Et sur la map, il doit y avoir des magasins, genre ça. Ah, c'est des magasins, c'est ça? C'est ça, que les supérettes comme ça là. Hein. C'est ça? Fais les supérettes comme ça. Hein. Allo amigo. Ouais, hey gros, je suis dans la île poteau, y'a que de la musique, y'a des mecs mais y'a pas de meufs, gros, tu fais quoi là? Moi je suis en train de braquer de partout mon ami. Tu crois qu'il y a des meufs ou quoi? Des meufs? Non, je suis en train de braquer frérot. Ok, ok. Putain, bah, faut que je revienne, mais je sais pas conduire un écho. Putain, c'est casse. C'est vrai que t'as pas forcément le permis. Ah ouais, surtout ça, ouais. Bah, si, je vais essayer de voir pour rentrer. Ok, essaye de me rejoindre, mon ami. C'est des gens, ça. Hola, mi amigo. Ah ouais, hola, hola. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Ouais, ouais, rien, tu connais, je suis venu voir s'il y avait à manger par là, là, tu connais. Ça te dirait pas de faire un petit coup? Tu veux faire quoi? La supérette. Mais je conduis alors, je suis le driver. Tu sais driver? Ouais, ouais, t'inquiète. Ok, mon ami. T'es qui, toi? Moi, je suis Fares, ouais, Salvatore, amigo. Ok, carré. Moi, c'est Mario, enchanté. Mario? Ouais, ouais, Mario, Mario. Très bien, Mario. J'ai une amende à payer de 10 000 dollars, il faut que je me refasse les couilles en or. Jure, t'es fauché. Ah oui, mon ami, c'est fauché. Ok, ça te dit qu'on y va? Vas-y, on y va si tu veux, carré, je conduis pour toi. Mais attends, on partage, hein. Je suis pas ta petite, hein. Très bien, mon ami, on fera 50-50. Vas-y, carré, mais tu veux braquer quoi, là, en fait? Ici. On peut braquer ce truc? Non, non, les bistéries, elle est derrière, mon grand. Ah oui, elle tu est là-bas. Tu peux braquer ici, ils sont pas en service. C'est vrai, tu veux prendre quel véhicule? On prend le mien. T'es sûr qu'il est plus rapide? Ouais, garde ton côté de merde. Là, là, vas-y, tu rentres, tu braques, moi je t'attends. Ok, mon ami, attends. Je vais mettre mon masque. Vas-y, mets ton masque. Moi, je mets pas de masque, tu connais. Je suis un voyou, la rue, la vraie. Some days, the man ain't... Faut pas qu'il me reconnaisse. Hey, amigo! Ne joue pas au con, mon petit. Cogno, tu vas aller me ramener ton petit fric. Et tu vas me sortir tout ça maintenant, mon petit. J'espère que tu vas me passer le sac. Maintenant. Je suis à poil. J'ai besoin de 10 000 dollars. Je vais devoir récupérer cet argent. Je viens de me faire plumer par les flics. Je vais faire de l'argent et je vais m'arranger avec un policier pour pas donner 10 000. Hé, tu t'en sors ou quoi? Oui, mon ami.
Tu fais pas fracasser, hein. Je suis vraiment désolé. Tu devrais sûrement mettre de côté pour payer les implants pour la calvitie. Il y a ma veine, mon petit. Je crois que nous devons attendre quelques temps avant de partir. Ouais, c'est juste, t'inquiète. Très bien. Franchement. Et par contre, t'as pété, hein. J'aime pas trop ça, ça va puer là. Je t'ai entendu péter, hein. Tête de ma mère. C'est qui le gros? C'est moi ou c'est toi? Mon ami, tu as perdu des cheveux entre temps? Ouais, tu connais, là en fait, j'ai trop la touffe. C'est-à-dire, tu vois, le toit panoramique là, ça cogne dessus, c'est-à-dire, ça s'aplatit. Ah. Ils sont là, t'as vu, ça fait une petite coupe. J'ai cru que, ok. Non, t'inquiète, ils sont carrés les cheveux, tout va bien. On doit attendre encore combien de temps? Encore 2-3 minutes. Très bien. On attendra alors. Si tu veux, on peut partager maintenant, alors, si tu veux. Vas-y, partage, envoie. Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et c'est quoi? Non, attends, on sait jamais, imagine, je me fais attraper. Garde pour l'instant, et si on s'en sort, tu me donnes la plata, c'est bon. Il te fait confiance, mon ami. Il te donne 400$, ça te va? Ça tire, pour qui? Je t'ai donné quand même ton argent. Elle nous tire dessus la tête de ma mère, c'est pas des poignons, ça. Oh, mi amigo! Il n'y a pas eu de première sommation. J'espère que tu vas t'enfuir, mon ami. C'est pas ça, c'est que c'est le code noir, mon ami. C'est un cartel, Vamos, amigo, vamos. Amigos, vamos. Il ne veut pas mourir ce soir. Non, vamos. Vamos, amigo, vamos. Putain, mais vas-y. Ouais, c'est pas moi, c'est lui, j'ai rien. Dépêchez-vous là, mince. Ouais, j'ai rien fait, c'est pas moi. Contre le mur, ok, tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Eh ben, vous êtes qui, vous? Quand je fais nous, j'arrive en 5 secondes. Dans, ça va, je suis prêt. Une personne t'es... blessée, s'il vous plaît, une personne a pas à l'intérieur, de... ouais. Mais c'est celui qui était blessé tout à l'heure à l'aéroport, là. Celui qui est blessé à l'aéroport tout à l'heure. Quelqu'un qui me fouille, s'il vous plaît, là. Ouais, mon gars, ouais. J'ai rien sur moi. Je fouille en vif. Putain, je peux pas bouger la caméra. Regarde tout ce qu'il y a, wesh. J'ai quoi, wesh, qu'il a envie. Eh, mais on a rien fait, là. Il est armé, lui, hein. Passager. Eh, mais attendez, pour rien, vous êtes ici, on a fait quoi, là? Vous êtes dehors, c'est déjà trop. Ici, il y a 9-4. Putain, mais vas-y, je vais me prendre 12 000. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes dehors? Oui, il m'a forcé, il m'a dit, on va manger un crouton, un petit burger. On vous force vraiment pour manger? Allez, on vous a croisé devant Fort Drive. On vous a croisé devant Fort Drive. Moi, je vais t'avoir 20 000$ d'amende. À coup de feu, vous n'avez pas respecté, monsieur. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Avec ton couvre-feu, j'ai pas de maison. Dans la maison, c'est le burger shot, c'est bizarre. Mais je comprends pas le concept du couvre-feu. Parce qu'en fait, genre, quand t'arrives dans le jeu. Bah t'as pas de maison. Je te promets l'amour, la vie, ma chérie, viens par ici, viens. Ça veut dire que j'ai pas de maison, tu veux que j'aille où? Je suis obligé de sortir braquer, frère. Je peux pas respecter le couvre-feu. Je vous conseille de vous calmer. Mais ils arrivent, frère, ils roulent à 9 milliards de kilomètres heure et ils t'arrachent ta grand-mère. Oh putain, mais t'es policier. Respire, wesh. Ouais, ils devraient mettre genre Starm. Mais ça fait et il doit attendre 3 secondes avant de retirer. Parce que là, frère, je pense que vous avez des réserves. T'as dit quoi? Je pense qu'il est mort, hein. Je pense que vous avez des réserves. Ah bâtard, hein. C'est quoi ça, pistolet avec un silencieux d'équipé là? Ah tu connais, si je m'entraîne dans la forêt, t'es bizarre. C'est ça le code noir. Ah ouais, c'est énervé le code noir. Ah non, mais moi j'aime bien moi. C'est juste que là ça me fout la mort parce que mon joueur il prend la merde. C'est quoi toi avec ton masque là? Si j'avais été quelqu'un vraiment en mode. En gros, t'as compris, ça fait je sais pas combien de temps je joue dans le jeu, frère, il m'attrape pas, je pense. C'est quoi son masque? C'est cher bien fait, ouais. Son arme aussi, ouais. On en sort. 03, enlève ce masque. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? J'ai appelé jamais. Ouais, ils ont pas le droit de tirer normalement. Enlevez-lui son masque, s'il vous plaît. Mais il a son PPA, allez, celui-là. Mais encore lui, ça y est, frère. Eh, j'ai un PPA, ramène mon arme. Entendu. Je tire son masque. Mais encore lui. Ça y est, frère. Mais tu veux que j'aille où? J'ai pas de maison, frérot. Je vais te commencer. Eh, mon arme là. T'es obligé, tu me retrouves dehors. Donne-moi voir. On te l'a pas. Non, mais c'est bon. On me l'a pris. Je l'ai vu, il est sorti de ma poche. Ah, mais encore lui, c'est bon, lui, il a fait. Même lui, la nana. Bon, tu l'as encore, ton arme. De quoi c'est à toi, hein? Je vais te casser ton cul, toi. Bah, c'est bah, quoi, bah. Encore ton arme. Parle mieux, par contre. Ok, putain. Okay, mais arrête, j'ai toujours pas. On n'est pas c'est la l'armée. Ah, là, c'est parce qu'on est en code noir, je crois. C'est l'armée, ouais, ouais. C'est et genre, code noir, il y avait écrit.
C'est l'armée. Je sais plus avec. Quand le mire, on vous a pas demandé de faire ça. Bon, lui, déjà, vous lui mettez les 5000 de coup de feu, hein, n'hésitez pas. C'est bon, moi, après le confinement, il nous balance un couvre-feu. Ouais, après le confinement, il nous rebalance un couvre-feu. Tintin, elle danse la chica là, t'es où là? C'est pas tard. Mais si les humains sont pas non, temps, on vois pas le modérateur Fares, il m'a trop bien accueilli avec l'autre. En gros, je peux pas changer comme ça de serveur. Non, franchement, j'aime bien. Faut que je fasse un garrot là. Je vois pas, moi j'aime bien. C'est juste que là, en gros, vu que je viens de commencer, bah j'ai rien, j'ai ni maison, ni voiture, ni armes, ni argent, ni. J'ai rien, frère. Ça veut dire, eux ils viennent, ils me disent code noir, mais moi-même code de multicolore, frérot, je viens de commencer, je peux rien faire. Bon, là, c'est des vrais policiers, ça. Imaginez tous les policiers là, ils sont sur mon live. So sorry. Mais si on l'amène à l'hôpital. Là, rentrez chez vous. Vraiment, faut pas faire galérer là. Et rentre chez toi, je vais te cogner, toi, la grosse vache, là, dégage. Bon, allez, monsieur, montez dans allez, la surgence. Rentre dans l'équipe, on va dire. Ah, moi, je dois monter, moi. Ouais, ah, m'appelle, je peux pas parler. Quoi, je suis parti manger. Si, tu m'appelles. Ok, ouvre-moi la porte, vas-y, ouvre-moi la porte. Allez, allez, sors ton bras, ouvre-moi la porte. On en fait quoi, du gros, là du gros, là, je te permets pas, tu prends pour qui tu veux. On arrête. Ils sont trop énervés, y'a que eux qui sont là. Je vais porter plainte, je vais déposer plainte. La coachée. Il est vraiment pas bien, non? Non, mais ça. Non, mais je pense que moi, c'est déjà. Mort, non, soit je m'en fous des policiers, hein, soit. Hein. Bah, moi, je pense qu'ils font. Déjà, en mode, ils font leur boulot pour, tu vois, en mode bien, tu vois. C'est juste que moi, en vrai, là, je pue tellement la merde. Parce que imaginez, là, par exemple, on est genre 4-5, on a tous des armes. Je pense qu'on est comme leur grand-mère. On est tous avec des mitraillettes et tout. J'avais la mitrailleuse, tu l'éteins, c'est bon, faut plus rien en fait. Imaginez, on est 5, tous avec des armes. Alors, là, je sais pas si on a le droit, ça par contre. Que la tourelle elle sort à la seconde. Parce que s'ils sont en mode tourelle, mais toi t'as pas le droit de répliquer. C'est bizarre. C'est-à-dire, en gros, tu te fais dégommer directement et tu peux pas. Plus. Si, j'ai le droit de leur tirer dessus, on a le droit de les éteindre. Hein. Ah, je crois savoir pourquoi ils sont comme ça, c'est bon, je viens de me rappeler pourquoi code noir. Parce qu'en fait, il y a Don César, il a séquestré 10 policiers. Il les a kidnappés. Et quand il les a kidnappés, eux ils sont passés en code noir en mode on encule tout le monde, style. Et là, c'est pour ça, en gros, ils éteignent les gens comme ça. Parce qu'ils sont en train de chercher 10 policiers, en fait, c'est pour ça. Il y a encore un pou au moins, le garçon. Il y a encore un pou au moins, le garçon. Ou la madame, je sais pas. Ouais, tu peux aller en prison, je crois. S'ils te tirent dessus, ouais, tu peux leur tirer dessus. Ok, d'accord. Putain, j'aurais dû les allumer alors. Ils dorment. Juste éviter de faire le braquage, ça sera pas de noir. Non, mais c'est pas les fumées, mais vous voyez celui qui dépasse en haut là. Tu peux lui mettre une balle, non? Putain, j'espère qu'il va pas prendre mon arme. Hein. Parce que je vais chier à rouiller si j'ai pas d'arme. Je peux pas braquer, je peux rien faire. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un docteur de disponible? Non, puisqu'il travaille jamais. Elle est à fond dedans, là. Ils sont peut-être partis sur Caillou, hein. Ouais, ah là, quand je vois les gens dans la RV, genre, je les imagine chez eux. En gros, dans leur siège et tout, je me dis, il fait quoi? Il est heureux dans sa vie? Il travaille, quoi? Non, il mais je peux rien faire d'autre, moi, je suis pas médecin, je m'y connais vraiment mal. Genre, qu'à ce moment-là, il fait de la gueule, genre, il est bien, il fait quoi? Il mange des fruits, il fait quoi? En gros, là, en gros, je m'imagine ça. J'avais la meuf, là. Est-ce qu'elle a les mêmes boîtes à ce moment-là, ça, là? Chez elle. On va mettre là. Gros, prends eux, là, regardez, là, je fais le Y, elle me tient. Mais est-ce qu'elle sait que je suis habillé comme ça? Regardez. Attendez. Ah, oh, putain, c'est pas possible. Vas-y, tu sais prendre le couteau ou pas? L'attention. Hey, l'attention, tu peux pas la prendre avec tes mains. Hein. Est-ce qu'elle sait, là, je suis comme ça, là? Regardez. À ce moment-là, là. T'as dit quoi? Est-ce qu'elle sait que tu peux pas prendre l'attention avec tes mains, il faut un appareil. C'est le pouls que tu peux regarder avec ta main. Ouais, c'est ça. Tu check, tu mets ton cou, tu mets deux doigts là en dessous de ton cou là. Ah, là s'il y a des battements de cœur, bah, attends, je vais regarder. Ah, il arrête pas de m'appeler, mais je peux pas répondre. Dis-moi. Pas de battements de cœur, hein, y'a rien. On s'entend, peut-être qu'il y a un faible battement. Y'a des serveurs où si tu roules dans l'herbe, tu te fais battre deux jours. Ça peut regarde sur le haut de sa main aussi. Tu peux sentir au niveau de son poignet. Ah, je pourrais pas vivre dans un serveur comme ça, moi. Du pied, tu roules sur l'herbe en dedans. Non, du poignet, mais tu te. Après, moi, on m'a dit si tu pinces les gens, s'il y a une réaction, c'est qu'ils sont pas morts. Ah, tu penses que là il y aura une réaction là? Parce que depuis tout à l'heure, vu tout le sang qu'il y a perdu, ouais, là je suis à 10 000 $ d'amende. Non, il n'y a pas de battement de cœur là. Attends, je le passe le ventre. Il y a HS là. Hein.
L'unité X va vous ravitailler dans 29 minutes. Oh, putain, il est mal là, le pauvre. Tu vas repartir. Bah, tu vas rejoindre le ciel. Hein. Force. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Pourquoi vous me dites réagis, Fares? En plus. Enfin, j'ai gémissement. Ah. Oh. Mais y'a pas de poux, y'a plus rien. Y'a pas de poux, y'a plus rien, il a dit. Ah non. Bah, il est décédé. J'ai perdu mon perso. Je suis pas de poux, hein. Y'a pas. Y'a le perso. Ah, je suis là. Non, mais. Pourquoi je suis vivant? Alors, ouais, bah. Ouais. Un bâtard, tu clignotes. Mais non. Comme ça. Il n'est pas compris. Je me rappelle. Tu sais qu'avec 11 la dernière fois qu'on a vu ça, tu sais, il m'a sorti quoi, 11. Il a trouvé du poux miraculeusement. Car on peut toujours l'enlever le poux, hein. Je pense qu'on va. S'il n'y a plus de poux, c'est qu'il est chauve, les frères. Après, le gorille bah, blanc là-bas, tu. Tranquille. Parle bien, là. Je comprends pas. Mais il a fait quoi, lui? Il sort d'où? Ah, il s'est venu rejoindre mon ami qui est mort, là. Ah, venez, ah, je l'ai bluffé. Il voulait mourir. Non, il s'est venu le rejoindre parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait plus de poux, donc il s'est arrivé ici. C'est pour ça. Je sais pas, moi j'ai pas suivi. Ah, ok, d'accord, bah je vais l'attendre dehors. Je vais l'attendre dehors. Je l'attends dehors. Je l'attends dehors. Mais comment t'es bien là comme ça? Muchas gracias, hermano. J'attends mon ami dehors en attendant qu'il se réanime. Enlève ton masque. Il se réanime. J'attends mon ami en attendant que vous le réanimez. Vous devez rester la nuit à l'hôpital, monsieur. Allez, vous prenez une chambre. Non, je dois rester. Allez. Enlevez votre masque au passage. Et le masque, ouf, ça s'enlève. Et hop, nickel. Allez, vous me suivez. Discat, je vais le faire. Allez, suivez-moi, monsieur. Je vous suis, mon ami. Il faut marcher aussi. Je sais pas là, vous restez coincé sur une porte là. Et je vous suis. Sinon, comment tu t'appelles, l'ami? Pas de nom. Très bien. Allez, vous donnez dans celle-là. Vous me passez votre carte d'identité. Putain, je voulais l'embrouiller. Zé. Je crois que vous avez la carte d'identité, mon ami. Ça, j'ai le droit de l'enculer là ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai votre carte d'identité. T'as pas enlevé mon doigt du micro. Ok. Cher coup, ça en a plus, j'ai le droit de l'enculer ou pas? Oh, je vais fermer la porte à clé, hein. Très bien. Muchas gracias. Putain, mais je fais quoi là? Je suis censé faire quoi les frères? Avec le temps, je vais retourner au téléphone, je vais aller dormir. Je vais m'allonger, je vais voir ce que comment c'est. Non. Je fais quoi là en fait? Là je suis allongé au calme. Barre-toi, appelle Don, il va te sauver, frère. Ouais, c'est vrai, ça, en vrai. Ah.
vous enlevez votre futal. Oula, ouais, ok. La manière de comment vous le dites. J'ai failli voir la mort, mais il n'y avait vraiment pas voir ce tourbal en train de se faire charcler devant moi. Ah, c'est encore toi, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Et c'est pas un policier est venu, il m'a dit de rester ici. Toute la nuit, hein. Toute la nuit. Force à toi. Allô, mon ami. Allô, oui, ça va, tranquille? Ça va très bien. Il y a un policier qui m'a dit que je devais prendre une chambre pendant la nuit. Ça veut dire que je dois rester combien de temps? Tu dois rester toute la nuit. Ça veut dire que là, c'est mort. Tu vas dormir toute la nuit à l'hôpital. Ok, faites voir. D'accord. Et je dois faire quoi? Regarder le ciel? Hein? Je dois regarder le ciel? Attendez, je me mets bien. Tu dois regarder le ciel. Je fais quoi? Je regarde dans la pièce? Il fait quoi, fils de... Et qu'est-ce qu'il fait, là? Je monte la blessure à la cuisse, à la cuisse arrière. Bon, pas besoin de t'articuler comme ça. Et moi, bah, j'ai pas, je... Police, c'est micro non? Ouais, non, c'est gênant. Et qu'est-ce que je dois faire, mon ami? Bah, je sais pas, en vérité, parce qu'en fait, moi, je t'explique, t'avais, tu m'as abandonné à la supérette. Ouais. Et bah, il y a 4 camions blindés qui sont arrivés à la supérette, ils m'ont encerclé, ça me marre. Non. Coup, je sens de l'air dans mes fesses là. Et je suis tombé sur un keuf, il est méchant de peau, tu vois. Et il m'a dit, ouais, tu vas rester ici toute la nuit. Et t'es où toi? Le point G, ouais. Moi j'étais dans la cellule, il m'a enfermé. Du coup, du cul. Ah là, t'es en cellule? J'étais. Et du coup, je tombe sur un keuf, c'est mon pote, il m'a fait sortir. Bon, attendez. Et Moi, donnez-moi $50 en liquide. J'ai oublié mon accent. J'ai vraiment pas de soucis. Désolé, mon ami, mais. Pero, je voudrais savoir comment ça se passe là s'il veut sortir, par exemple, de l'hôpital. Est-ce que je peux? Les factures? Quoi? Vas-y, je te mets Oui! Bah, j'ai pas, t'es tout seul! Tiens, vas-y. Il y a un médecin à côté de moi, j'aimerais sortir. Merci. Le médecin. Est-ce que je peux sortir? Vous avez quoi, vous? Je me suis fait tirer dessus, puis après, on m'a dit de prendre une chambre pour la nuit. Ça veut dire que je dois sortir quand? Je t'ai fait tirer dessus. Tu dois prendre une chambre pour la nuit, c'est bon, tu vas pas sortir. On vous a tiré dessus où? Je crois qu'on m'a tiré de... Je ne sais pas, mon ami, parce que lorsque je suis arrivé ici, on a essayé de me réanimer. On a demandé s'il y avait des médecins. Tu vas mettre un boulot? Tu vas super bien pour qu'il s'est fait tirer. Ouais, c'est vrai. En vrai, tiens, prends juste cette paire de béquilles, en vrai. Tiens. Ah bah, à ce niveau-là, il serait... Tiens, vas-y, tu peux te casser comme ça, t'inquiète. Mon ami, je me sens pas très bien. Après avoir reçu... quelques balles. Ouais, on n'est pas dans un film, y a pas d'action replay là. Tu peux y aller. D'accord, la conclusion dans l'histoire, c'est que tu vas rester là-bas. Si le médecin il a dit, tu peux aller. Le médecin a dit que je pouvais sortir. Ah, si c'est le médecin qui l'a dit. Tu peux sortir. Ah bah, il vais sortir là. Ah bah, si c'est le médecin qui l'a dit, mon ref, là tu peux aller. Ah d'accord, viens me chercher devant, mon petit. Vas-y, attends. Encore ici. Est-ce que putain, j'ai une facture de 10 000 euros. Hermano, où est-ce que tu es, mon petit? Mais toi, t'es où? Je suis pas d'accueil. Hermano, je suis à l'hôpital, il devait pouvoir sortir, il a dit normalement le médecin. Il me suis fait tirer dessus. Qui, par qui? Il était là. Il faisait le braquage. J'ai rencontré Snoop Doggy Dogg. Mais c'était plus Snoop Dogg Dogg, Hot Dogg. À ce moment-là, on a fait quelque chose, il me suis fait tirer dessus par le gendarme. Mais et là, je vais sortir de l'hôpital, là. Là, maintenant, là, tu vas... Maintenant, tout de suite, je vais sortir de l'hôpital, okay. Là. Bah, tu vois, le parking central, là. Oui. Bah, viens, là, je suis là. Très bien. C'est bon, j'ai respecté, là, ça. Ça, j'ai respecté, je suis resté, là. Ça. C'est bon, il fait jour, là. C'est plus la nuit, wesh. Oh, mais du parking principal, vas-y, je suis devant là.
Jamel. 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 Jamel, amigo. Ouais. Je suis devant Pillbox Hill Medical Center. Ok. Je suis là, à ta gauche. Donde? Donde, amigo, je ne te trouve pas. C'est toi dans la Porsche grise? Non, c'est pas toi. Ah, c'est toi là-bas. Y arrive, amigo. Ah bah il est là. Salut les amis. Salut. Comment allez-vous? Eh hey, docteur, je vous appelais. Je me suis dit, attends, vous êtes déjà reposé? Je me suis dit, wesh. Vous me laissez entrer? Mais du coup, en fait, je t'explique là. Ce qui va se passer. Attends, je monte dans le coffre. Vas-y. Il y a un coffre déjà. Les amis, je vous. Est-ce qu'on est toujours en code noir? Justement, je vais vous expliquer par 96 heures, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Code noir. Allez, on y va. Il me casse vraiment les couilles avec le code noir. Trouvez une voiture 4 places. Ici. Attends mon ami. Deux places. Oui, mais je veux qu'on roule tous ensemble. C'est parti les amis. Je me suis fait arrêter par la police et en fait il m'a mais dit comment il m'a déjà dit... Pourquoi on a fait une supérette avec Fares. Comment? Et lui il m'a abandonné là-bas tu vois. Et moi je regardais pas, j'étais en train de regarder la caisse. Et je me retourne, il y a 4 blindés devant la supérette, sa mère. Tout à l'heure ça m'est arrivé la même gros. Et quand je me suis retrouvé, la vérité c'est qu'ils allaient m'enfermer pour toute l'année là dans la détruction. Ah ouais. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit si on te revoit, là tu vas dormir. Il m'a dit si on te revoit, la vérité, tu vas prendre cher sa mère, tu vois. Heureusement, je suis tombé sur mon pote et de la police, il m'a fait sortir. Mais tout à l'heure, là, que t'as dit tu, pour le vérité, là. Ah, d'ailleurs, qu'on prend la grille et tu me donnes la position. Bah, au pire, tu sais quoi, on fait ça. On fait les shit. Parce que là, en fait, on peut pas braquer, on peut pas prendre du truc. Mi amigo, tengo la cocaïne dans mon inventaire. J'aimerais vraiment savoir ce que tu veux en faire. J'aimerais que tu me trouves des clients. J'aimerais la vendre, mon petit. Tu as la cocaïne où? Il y a la cocaïne dans ma poche. Ah mais Fares, demain on va trouver des cleans, ok, on va les trouver, hop, après on les vend. Et après on fait un business comme ça et on prend de l'argent. En fait pour la cocaïne il faut trouver des gens cons tu vois pour leur vendre, parce que sinon tu pourras pas vendre la cocaïne. Ouais comme toi quoi. Voilà c'est ça. Sinon mon ami, est-ce que tu m'offres un repas et une boisson? Ben viens, je vais vous donner à boire à manger. J'ai pas ma série. Et toi, ta bande de potes, vous êtes combien vous? Hein? Oui, ça dépend des jours en vérité, tu vois. Là, y en a un qui est mort. Ouais. Donc, ouais, tu dis ça comme si c'était normal, ouais. Bah, en vérité, c'est pas que c'est question que c'est normal. C'est question que c'était sûr. C'est différent. Mm-hmm. En fait, ils s'y attendaient un peu, tu vois. Ouais. Je t'ai donné déjà des pizzas, toi? Non, je t'ai pas donné, tiens. Pizza et boisson, tiens. Voilà. Boisson. Oh, 5 t- oh, c'est bien. Merci, moi. C'est bon, c'est nickel. Vas-y, on bouge. Attends, je vais vous montrer les points pour traiter les shit et tout ça. Ok, je vais être en immersion totale quand je vais boire, parce que je vais boire pour de vrai. C'est bon. Vas-y, c'est nickel. Vas-y, passe bien. Ah. On est derrière. T'as vu l'adresse que je t'ai mis là sur le GPS? Attends. Bah là-bas. Je vais la prendre en photo sur mon téléphone. Ouais, prends en photo. L'adresse que je t'ai mis là, c'est le. T'entends comme moi là, on est d'accord? Ouais, on entend pareil. Ah ouais, c'est Raphaël Samber. Hein. Bon, je t'explique. Ah ouais, ça pète beaucoup là. Bon, je t'explique l'adresse que je t'ai mis sur le GPS, prends là en photo. Ouais, c'est là-bas c'est la récolte. Ok. Là-bas on récolte de fou, de chaînes, tout ça.
et après je vais te montrer pour le traitement. Et pour vendre, bah il faut vendre dans la rue, tu vois, des gens et tu vends. Ok. Tu te convaincs, ouais, est-ce que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Et du coup, en gros, juste on récolte et on vend en fait. Là, on récolte, on traite, et après on vend. Différemment. Après, ça rapporte de l'argent, tu vois. Si tu veux de l'argent, c'est comme ça. Mais après, t'as fait de l'argent, il faudrait que je fasse. Ouais. C'est qui avec moi? Il y a un modo avec moi et quelqu'un a rencontré dans le jeu. Des factures, là, 5000, là, je sais même pas ça. Et ouais, alors ça va être compliqué, faut que tu travailles tout ça. Putain, t'as un putain de radin, toi. De quoi? Tu peux même pas passer de l'argent. Attends, je regarde, j'ai combien sur mon compte bancaire? Tu vas me dire ça, tu vas me dire 1 million. Non, j'ai pas 1 million de dollars, je m'appelais comment? J'ai 140 000 dollars, c'est tout. Mais putain, mais ouais, ça va. Oh, Paresse? Ah! Après. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'adores dans la voiture ou quoi? Dis-moi tout, mon ami. Bah, est-ce que ça t'intéresse toi déjà de faire du jet ou pas du tout? Moi, ouais. Bah, après, preneur, pas, mon pas ami. T'es preneur, moi, c'est pas que ça dure 2 heures en fait. Bah, en fait, ça dure pas 2 heures. Si tu vois, si tu veux te remplir bien les poches de jet, tu vois, il faut rester au moins un quart d'heure là-bas, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Moi, j'ai pas envie de tomber là-bas pour tout enlever. Je suis en train de manger la pizza, mon petit. C'est vraiment délicieux. Oh là là. C'était comme ça, c'est vraiment délicieux. C'est ça. C'est quelque chose. Après, avec Paris, je peux te parler privé. Ok. Et comme ça, au moins, je me focalise sur un truc. Que là, j'ai un truc en tête. Qui est bien. Quelqu'un est mort, les par contre, s'il nous chauffe là-bas, oui, on est dans la merde. On va à l'hôpital. Ils vont voir encore les 3 clones habillés là-bas. Si je meurs là, c'est mon perso qui meurt. C'est à quel moment ton perso il meurt, genre définitivement? Moi, j'étais déjà recherché par la police et toi, tu vois. Mais c'est bon, t'inquiète, je suis sorti tranquille. Ouais. Je peux vraiment faire agresser. Après, j'ai pas de la musique à Caio Pirico. Ça dépend du serveur. Il y avait rien à Caio Pirico, du coup. Ouais, mais en fait, finalement, il y avait que des mecs, des ballas. Il y avait 2-3 autres mecs. Des ballas et 2-3 autres mecs. C'est tout. Il y avait de la musique. Quand il y avait fait le making, un là, dossier, il a eu juste à l'heure. C'est tout. Il y avait un médecin aussi. C'est tout. Ah, vous jouez... il y a des gens ici dans le live là qui jouent au fait à. Mais pourquoi alors vous êtes, je sais pas, monté. Alors que. Ce que je veux dire. Ouais, y'a des gens qui jouent à Flashland là qui sont présents dans le live. Ouh, la Sultane qui fait plaisir, ça c'est bien. Voilà, pour les shit, c'est très très bien même. Ouais. Vas-y, on prend ça. Let's go. Oh my god! Vraiment, on a vraiment la pire dégaine. Oh, j'étais dans Flashland moi. Non mais j'aimerais de ouf, oui moi. Tu m'as dit vous êtes beaucoup sur Flashland wesh. Comme ça genre, tu t'habilles vraiment tout le temps comme ça? On dit là-bas ou sinon avec ma veste en fourrure. Parce qu'en fait t'as vu la veste que j'ai portée là-bas avec la fourrure et tout là. Ça vous êtes beaucoup sur Flashland. C'est une veste, elle coûte 200 000 dollars. Pourquoi? Parce que la fourrure. Vous et comment ça se fait? Vous jouez pas genre vous regardez mon live. C'est qui a croisé un mouton le jour de l'aide. Ça. Et bah tu vas me passer un poil, je vais le revendre plus cher. Par contre si je joue, je sais pas, j'arrive pas à regarder quelqu'un dans le truc là où je joue. J'ai envie de jouer aussi. Plus jamais je l'ai sorti de la maison là. Genre y'a que toi qui connais. Ah bah non, ah. Regarde. Attends, je mets un masque, attends. Ouais, ton casque, il est un boulet. Ah, c'est compliqué de rentrer dans Flashland. Un cagoule, une cagoule. Mets les cagoules. Ah, allez. Il va mettre ça, mon ami. Ça va comment, pote? Tu m'as dit tout à l'heure, il répond. C'est lui, Jimmy, je sais pas quoi. Bah, je crois que c'est lui. C'est toi, Jimmy, ou pas? Oui, c'est moi. Mais tout à l'heure, tu m'as dit qu'il répondait pas. Parce que j'étais parti. Ouais. Comment? Allez, mais... on y va. Attends, ouais. J'ai rien. T'aimes bien les palettes ou pas? Hein. Les palettes. Les palettes avec deux L et un E et un T, tu vois. Vas-y, ramasse les chaises, c'est ici qu'il faut ramasser, tu récoltes. Puis
Oui, comment ça s'écrit ma lettre? Parce que moi j'ai du mal avec ça. P-A, deux L. Et tu mets un à la fin. Le numéro 3, il est pas mal. Ouais, le numéro 3, c'est bien aussi. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu parles? On parle des palettes, on parle de ça, regarde. Ah, c'est des palettes. Comment tu fais, mon ami? Pour lui expliquer, mon pote, faut être ingénieur. D'ailleurs, vous l'avez fait de la bijouterie? Non, bah non, il y avait des barreaux. Alors, il y avait. Vous voyez le mec tout à l'heure qu'on a pris en otage? Il était là-bas à Cayo Perico. Je lui ai dit, t'es chaud demain? Bizarrement, si on fait une bijouterie, tu seras notre otage, etc. Vous avez été un peu plus haut? Moi. Et je l'ai dit, je lui ai dit comme quoi, au pire, tu prends un pourcentage. Bah, on va rien lui donner. Et c'est tout. Et comme ça, au moins, on a un otage gratuit déjà. Très bien. Et je voudrais savoir, le petit là qui parle avec la voix de Pinocchio, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Bah, rien. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que j'ai pas mué. Très bien. Oh, le F, viens, je dois te parler vite fait. Ça va, Jimmy? Attends, parle doucement. Attends. Ok. Est-ce que tu veux qu'on le rajoute dans notre bande? Attends, vas-y, go c'est loin, viens. Ouais. T'as dit quoi? Est-ce que tu veux, par exemple, t'as dit quoi? L'autre là, qui nous donnait les gofas et tout, est-ce que tu veux que lui vienne dans tous nos trucs ou juste... Non. En cas exceptionnel, genre. Non, je pense pas. Je sais pas. Non, il ne pense pas, mon ami. Mon ami, il ne pense pas. Ok, c'est juste en cas que... Ok. Ouais. Pour l'instant, non. Vas-y, pas pour l'instant, vas-y. Il est y allé, mais il y avait rien. Tu l'as expliqué comment faire ou pas? Non. Ah, mais au pire, si tu veux, va là-bas et tu lui dis. Non, va lui expliquer toi. Ouais, mais net, enfin direct. Non, tu lui expliques net, va lui expliquer là-bas, quoi. Vas-y, viens. Bon, c'est juste la première et la dernière fois. Tu t'appuies sur T, ok, pour le chat. Tu fais slash E, espace, P-A-L-L-E-T, 3. Quoi? Et après, t'as pu te rentrer. Tu peux me redire, s'il te plaît? Slash E, espace, P-A-L-L-E-T, 3. Palette, en gros avec deux L, un T, 3. À la fin, le chiffre 3. Ça ne marche pas. Si, attends. P-A-L-L-E-T 3. Le E est majuscule ou pas? Non, il n'y a pas de truc majuscule. Slash, du coup le slash. E, espace. P-A-L-L-E-T 3. Ça marche, c'est juste toi, tu le fais mal. Voilà, vas-y. C'est bon, tu l'as dit? Ouais, c'est bon. Il a bien expliqué même ce que je vois. Si, hermano. Estoy aquí. Voilà, vas-y, viens récolter. Il m'a les livrer du Leader Price, je croyais, ça fait plaisir. Bon, récolte. Mets dans le sac. Enfin, mets dans le carton, en fait. C'est vraiment pas très marrant comme activité. Ouais, c'est pas marrant, mais bon, on voulait faire des bijouteries, on peut pas. Est-ce on que tu peux me raconter ton histoire, toi, le petit masque? Alors, je viens de Chicago. Je cherche mon ami d'enfance qui s'appelle Kurt. Mais je le trouve pas. J'ai entendu parler d'un Kurt en plus. Du coup, là, je fais un stage chez les Ballas. Et Ballas Gang. Et on fait des activités comme vendre de la drogue. On menace les Aztecas. Ouais. Et on frappe des gens. Ballas. Et on nique la police. Toi, Ballas, toi, lui. Quoi, j'ai pas compris. Tu n'avais pas la liaison avec les Ballas? J'ai même pas envie d'écouter en plus, je te jure. T'es fatigué? Ouais, c'est ça en fait, je suis dans les airs, loin. Ah, laisse tomber alors, t'inquiète. Bah, tu m'expliques ça. Mais il sait que je suis stagiaire chez les Palaces WM. Ouais, il m'a dit, ouais. Mais ça veut rien dire, au moins, c'est fait mon espion, tu vois. Il aimerait savoir, tu parles vraiment tous les jours comme ça? Oui. Très bien. Ah ouais. Tu as vraiment le courage. C'est Mickey Mouse. Ah ouais. La maison des Mickey. Oui, c'est le vrai, oui.
Mais il est jeune, les pauvres, c'est pour ça, tu vois. Il a 18 ans. Et il a quel âge? Il a pas mué, il a 18 ans. 18 ans, putain, ouais, il est même pas encore majeur, ça. Ah ouais, c'est compliqué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mm. Et t'as le permis? Ah non, du coup. Oui, mon ami, c'est pas vraiment pour te vexer, mais cette activité, elle pue vraiment sa mère. Ouais, bah, mais c'est pour ça. Mais t'as vu, quand on était dans la voiture, c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire actuellement tout de suite, tu vois. En gros, si ouais, dans ce moment-là, en fait, faut se reposer. Ou là, tout de suite, dans les médias, si tu agis ou quoi que ce soit, t'es mort. Ouais. Hein. Très bien, c'est mon pour ami. Ça. Ok, Hermano. Ok, très bien, Hermano. Je vais me concentrer pour récolter, ça te va? Là, je vais me concentrer. Vas-y, récolte. Ne me déconcentre pas, c'est bon? Ne me parle pas. Comme de la voiture? Voilà. Voilà. Moi personnellement, lorsque je dois faire quelque chose, okay, bah si je me concentre énormément, mon subconscient prend le dessus et mon corps s'endort et je fais les choses tout seul. Fais de la musique. C'est carrément incroyable. Par contre, si il y a la police, c'est de la merde. Mets de la musique, double. Mais je mets de la musique. Vas-y. C'est bon, en attendant cela, les gars. Wesh, le live. Comment allez-vous? On est combien dans le live là? Je vais remettre un peu de musique de tout à l'heure, quoi. Ok. C'est de va? Tu te déranges pas? Moi ça me va, moi. Parce que t'as vu, moi j'aime pas mettre plusieurs fois la musique, après ça saoule les gens à force, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est ça le truc. Si ça te dérange pas, c'est bon. Si ça te dérange pas, dis-moi toi. Ça fait super plaisir à 4h du matin. Ah, vous faites quoi là chez vous ça? Allez, c'est double M, mon pote. Tu peux pas aller plus loin? Ça dit quoi, Titef? En spectaculaire. Je suis dans Santo, super et tambour. Boss comme un boss, boss comme un boss. Ah, vous jetez là-bas ou pas? Dans les sacs, dans les sacs, Bon, bah, c'est tout, hein. Bon, bah, c'est fini. Allez, on va rentrer à la maison là. La plante, elle donne plus de chien. Ouais, il y en a plus. Ah ouais, il y en a plus. Tu veux l'explication? Ah, moi je suis pas au courant, laisse tomber. Hein, si bon, si tu veux, mais les gars, on peut les traiter. Ah, ça, vous faites quoi là dans le chat là, réellement là? On va les traiter au pire, on va les traiter. Ça, vous faites quoi dans le chat? Vas-y, après moi je vais me reposer. Toi, t'es pas ici. Vas-y, moi. Vas-y, le traitement c'est ici, regarde, je te mets l'adresse. C'est là. Ouh, les gars. Tu veux que je conduise? Je prends photo. J'ai en train de prendre la voiture. On va à McBall. Ici le karma. Voilà, c'est fait plaisir. Chef, mec. Voilà, chef. Ça voulait aller plus vite. Ah. Eh ouais, ici le karma. Ah. J'ai voulu faire le mec qui vient de me prendre un mur à vraiment une vitesse incroyable, les amis. Eh voilà. Ça voulait aller plus vite. Ralenti. Mounoulk. Mounoulk, les mecs. Allez, moi. Oui, j'arrive. C'est bon, les gars. Nous pouvons repartir, je me sens beaucoup mieux. Wouah! Sa voiture a plus vite que la mienne, wesh. Je t'aime pas trop de...
fin de fils de pute. Vous êtes des putains de bâtards, bande de bâtards. Ah, vous êtes des putains de chiens, je vais appuyer F pour le turbo. Ah, bande de chiens, bah. Ça vous amuse, hein? Petit tas de merde. Voilà, j'ai vu mon... Ah, j'ai vu mon joueur, il a sorti sa tête comme ça, c'était le chien, sérieux. Ah, putain, pas mal le boost, hein. Franchement, Bon, attends, viens là, elle m'a l'air pas mal, ta voiture. I'm frightened. Ah, c'est quoi le boost du coup, les frères? C'est F, hein? C'est pas Alt-F4, non, le boost? Il m'a mieux klaxonné. Vous savez, ça, c'est la preuve comme quoi j'écoute les gens qui me suivent. Ouais, je suis sur Flashland. Ça, c'est une preuve comme quoi je vous écoute, les frères. J'ai pas fait le lien que F ça va sortir. Bon, on y est, moi. J'ai bien fini, quoi. Wesh. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, mais pourquoi il m'a mis? Amigo, tengo un pequeño problema, je comprends pas pourquoi sur les GPS il y a une petite adresse et quand j'y vais, je finis dans un hangar qui pue la merde et il n'y a personne. En fait, je t'explique. Premier point, on arrive sur toi, tu vois. Et le deuxième truc, c'est que t'as vu ton collègue, Jamel. Je conduisais tranquillement. Il a sauté de la voiture. Et du coup, bah le truc c'est quoi? C'est qu'il faut l'emmener à l'hôpital. En fait, il a vraiment un fantasme. Ah, je crois qu'il visait le chat en même temps que moi, ce gros con, il a appuyé F. Il croit qu'au même moment, on a eu la même vision. Parce que j'avais te dire quelque chose, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Devine ce qui s'est passé, mon ami. Au moment où lui, il a eu sa vision de sauter par la voiture, j'ai eu la même vision de mon côté. Ah, vous êtes connecté, quoi. Je crois qu'il y a une connexion. Ah, vous êtes et je crois qu'à ce moment-là, on est sorti en même temps. Il était Yur en même temps. Il y a une question. Et moi, je n'existe pas. Viens. Ah, cher drôle, on a regardé le live en même temps en fait. Nous deux, on a appuyé le boost. Vous avez réussi à me niquer moi, mais elle niquait lui. Dans le live, vous avez dit appuyer truc pour boost. Il a appuyé, il est mort. Vas-y, pose-le. Wow, super, il est fait. Regarde, t'as vu les barils qui sont là? Il pense, mon ami, que tu as dû avoir la même vision que moi au même moment. Oh, tout d'un coup, en fait, je voulais sortir le portable, je suis descendu sans faire exprès, en fait. Oui. Non, écoute, t'as vu les trucs moi, là ou pas ici là? Moi personnellement je voulais activer le turbo, je sais pas pourquoi il est sorti. Il y a pas de turbo sur des trucs. Vraiment pas de turbo, oui. Il... Pareil, non, mais... c'est là pour traiter, c'est là, regarde là. Là des barrés. Et là tu fais. Il m'écrit que... Non, le dis pas. Non, t'en as pas? T'as pas du... Non, t'as pas du... Pas...
Non, mais dis pas ce que ça dit. Mais t'as J'ai pas compris ce que ça. Bon, on emmène à l'hôpital, c'est parti. Moi, je suis un jouet, moi. On emmène lui à l'hôpital, là. Allez, on y va. Je crois que l'hôpital. C'est quoi, parce que dans la zone, il y a des policiers. L'hôpitalier. C'est quoi l'hôpitalier? C'est un hôpitalier. Bougez pas. Ah mais c'est le Joe, tranquille. Ça va le Joe, c'est WM. Oh, c'est qui là? C'est WM. WM? Ouais, c'est WM, c'est le match. Qu'est-ce que tu fais là? Ah mais je travaille. Quoi? Vas-y, on avance, j'ai tiré, on avance. Avance, suivez-moi. D'accord. Mais attends, il faut qu'on le mette à l'hôpital, lui il est blessé. À l'hôpital? Oui. Vas-y, à l'hôpital, vas-y. Ouais, va à l'hôpital. Tu le connais lui, il va pas t'emmener des problèmes. Non, c'est un amé. Mais de là. Ah, pas assez de flics sur le serveur. Non, il y a des j'ai pas compris. Ah, il en faut 5, c'est ça. C'est à lui le business. C'est possible qu'il ait pris le business entre temps sans que je prenne connaissance. Dis ça en vérité, tu vois. Ah oui, c'est bon. Un peu fort, ça. Bon, moi, je vais pas tarder à couper le live là. Je commence à être fatigué là. Je vais leur dire. Bon, les frères, je vais couper le live là. Je vais galiser avec eux. Hein. Attendez, je vais leur dire. Amigo! Oui? Il commence à être un peu fatigué, je crois qu'il va devoir aller retourner à mon appartement pour aller dormir un peu jusqu'à demain. Vas-y, on va te déposer au CTV, ouais. Mais toi, tu ferais mieux de quoi, comment dire, aller dormir sans avoir été sauvé? T'as dit quoi? Non, le monsieur qui est. Ouais, on va aller le déposer à l'hôpital, t'inquiète. Mais il va tout perdre s'il appelle l'unité X. Ah bon? Ah oui? Les armes à feu et tout, y compris? Ouais. Mais c'est possible. Il n'est pas compris, il allait perdre quoi s'il faisait quoi? En fait, l'unité X, t'as vu, avant de le faire rentrer dans la chambre de soins, et bah, ils vont demander à la sécurité de le fouiller, tu vois. Oui. Et la sécurité, s'ils trouvent des armes comme ça, bah, ils vont les prendre. Oui. Et donc bah, du coup, bah, là, il a des armes sur lui et ils vont tous les prendre. Donc lui, ouais. Fouille-le et récupère tout. Ah ouais, je vais tout reprendre. Et ensuite, tu lui rends demain. Attention. Bon. Amigo, il va aller dormir. Prends la voiture si tu veux, moi je m'occupe de lui. Il va aller dormir. Vas-y, pas de soucis, va. Il vous souhaite une bonne nuit. Boussa. Oui, à toi aussi. Double. Il vous dit à demain. Attends, je m'occupe de lui, miskin, et je suis là. Vas-y, emmène à l'hôpital. Ouais, bah juste, je le prends. Ouais, c'est limité, c'est bon, tu lui prends. Prends-lui, est-ce qu'il apprend? Je sais pas comment faire, wesh. C'est qui toi? C'est qui? C'est qui, Jimmy? Ok, c'est bon. Il a dit c'est qui? Tu sais quoi dans la vie, toi? Ouais. Bon les beaux gosses, j'espère que ce live vous aura plu, on aura passé vraiment un live très mouvementé, j'ai envie de vous dire, incroyable hein, tout ce qui s'est passé, Sahna. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, merci d'avoir été présent pendant tout ce live, merci pour vos dons, merci pour vos subs, merci pour ce raid qu'on a fait, et voilà quoi, je vous fais de gros bisous, et j'espère que ça vous a bien diverti hein. Ça va, vous avez pas trop eu le temps de vous ennuyer, genre, non, ça va, c'était bien, là, non? Je pense qu'on a passé une bonne soirée, tous autant que nous sommes. Du coup, merci d'avoir été présents, les gars. Merci à mes modérateurs qui ont travaillé d'arrache-pied ce soir, avec le monde qui est venu en force. Et voilà, merci beaucoup aussi pour le chat, vous avez été matures, vous avez été, enfin, à part quelques moments où il y a des gens qui ont 8 ans et demi, mais c'est pas grave, la plupart, vous avez été matures et tout ça, ça va, vous êtes dans le truc et tout, ça fait plaisir. Et sinon, voilà quoi. Je pense que le prochain live, ça sera ou demain ou après-demain. En gros, mercredi, je pense, ça va être le prochain live. Je sais pas, je vais voir. Si demain, je me sens de live, je vais live demain. Et sinon, je liverai... Enfin, en gros, si je me sens de live, je live ce soir. Parce qu'il est 4h du matin. Et sinon, je liverai demain. Donc voilà les frérots. Bonne nuit à vous. Merci pour tout. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Allez, bisous tout le monde. Merci modérateur, je vous aime. Je vous aime tout le monde.